Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour l'épisode 5 de votre Let's Play sur XCOM. Je vous la refais pas, ça fait déjà 4 épisodes qu'on y est. Donc, par contre, il y a eu un événement tragique, mais un événement finalement bénéfique, parce que ça m'a appris plein de choses. Ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois que j'ai fini d'enregistrer, j'ai oublié de sauvegarder. Et du coup, depuis j'ai fait quelques tests son, je commence vraiment à avoir un son qui me plaît. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a, je vais charger, effacer les sauvegardes auto. Donc je l'avais dans le baba, comme on dit. Et du coup, parce que j'avais chargé en fait cette sauvegarde-là, ou je sais même plus, je crois que j'avais fait un truc qui s'appelait test son, je sais plus, enfin bref. J'avais perdu la sauvegarde, quoi. Le mois qu'on avait fait, je l'avais perdu. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vais pas arrêter la série-là, elle est plutôt sympa. Du coup, je vais voir si je peux au moins avancer dans l'arbre de recherche jusqu'au même endroit où on en était, et puis pas perdre d'unité plus que les scouts, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai démarré l'épisode, il a... j'ai commencé l'épisode, voilà ce que j'ai fait. J'ai relancé ma vidéo, que j'avais tournée, là, celle de la sauvegarde perdue, finalement, et j'ai cliqué aux mêmes endroits, dans ma base. J'ai acheté les mêmes trucs, les mêmes soldats, les machins, j'ai revendu, j'ai transféré à la base en Asie, j'ai tout fait pareil. Et en fait, juste après, il y a eu exactement la même ville attaquée, Novo, Briskit, je sais plus quoi là, avec exactement les mêmes ennemis. En fait, il y a eu la même config d'aléatoire, qui finalement a l'air pas si aléatoire que ça, et j'ai appris pas mal sur le côté aléatoire de jeu. Donc, ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai ce truc qui s'appelle Save Récupérer maintenant, et vous voyez qu'elle est en bas dans les détails. Ici, vous allez voir, au 30 mai 1999, parce que j'ai pas fini le mois, parce qu'il y a un tout petit truc qui a changé. Alors, j'ai fait les missions à peu près pareil. J'ai perdu 2-3 scouts, hein, le truc basique. J'ai eu à peu près le même nombre d'ovnis, le même nombre d'atterrissages, de crash. Enfin, c'était assez bluffant de voir que quand on donne au jeu à partir... Peut-être, je sais pas si c'est une seed, vous voyez, si c'est de l'aléatoire généré avec... quand on démarre une nouvelle partie, il te trouve un chiffre, et à partir de ce chiffre-là, il te génère tout le reste de l'aléatoire, comme Minecraft, voilà, par exemple. Et ben en fait, je pense que ça se passe comme ça, parce que vraiment, là, si je teste plusieurs fois un autre truc, ben il va me le refaire. Et bon, maintenant, mes tests sont, je les fais juste sur la map monde, comme ça il n'y a rien qui se passe. Et je fais passer le temps en 5 secondes, je fais ma balance pendant 2 minutes, puis après c'est reparti quoi. Du coup, je perdrai plus de sauvegarde si j'arrive à bien faire tout comme il faut, c'est-à-dire à juste enregistrer mon épisode à la fin. Bon. Et pas oublier ça. Du coup, en fait, voilà, tout va bien. Il y a juste une sorte de réalité parallèle où les extraterrestres ont lancé une attaque avec une nouvelle arme temporelle sur ma base, mais j'ai réussi à contrecarrer ça, et l'épisode 5, finalement, tout va bien. Par contre, il y a un autre truc aléatoire qui est vachement moins, finalement, comment dirais-je, linéaire que l'autre aléatoire, c'est la recherche. Je me suis rendu compte, grâce à ça, que... Par exemple, là, en fait, les recherches que j'avais lancées à la fin de l'épisode, vers la fin de l'autre épisode, elles viennent de se finir là. Donc j'ai sauvegardé juste avant, en fait, en rechargeant une sauvegarde auto qui était juste avant. Je me suis arrêté au point où ça allait passer la recherche, et à chaque fois, il passe la recherche. Donc je pense, je sais pas comment ça se fait, mais que à un moment, je pense que c'est quand tu lances la recherche, le jeu, il lance un dé, et il sait déjà dans combien de temps ça va finir. Et ça va être une fourchette en fait. Donc dans mon épisode précédent, c'était une fourchette longue, là ça va être une fourchette plus courte. Et voilà, je pense que c'est comme ça que ça marche. C'était super intéressant en tout cas. Voilà, là je parle depuis suffisamment longtemps pour que la musique se soit arrêtée, donc on va y aller. Mais je tenais à vous dire que voilà, ça va. Ça va. C'était pas si grave en termes de dommages collatéraux, de perte de sauvegarde et tout ça. On n'a pas perdu tout un personnage dans Moro ou des choses comme ça. Non, ça va. Tout le monde est là.
Et puis je parlerai d'une erreur que j'ai faite. C'est Sandwich Donna qui me l'a fait remarquer, et je l'ai vu aussi quand j'ai refait finalement ma sauvegarde. C'est que quand j'ai créé les unités appelées lourdes, je me suis trompé d'indicateur, enfin de comment on appelle ça, de talent, de. En gros, je regardais la barre de lancer à distance et pas la barre de force. Donc il va falloir que je regarde ça. Mais j'ai répété l'erreur dans la récupération de sauvegarde. J'ai tout recliqué, tout pareil, tout pareil, tout pareil. Donc c'est parti, save récupéré. On va déjà. Ben, comme si je démarrais n'importe. Attends, on va pas faire comme si je démarrais n'importe quoi parce que je sais ce qui va se passer. Il y a une recherche qui va se finir et il y a certainement un mois qui va passer là. Si on se fait pas attaquer après la recherche, on peut toujours se faire attaquer le 31 à midi. Hein, bon, alors c'est parti. Voilà, recherche terminée. Donc on a le nouveau chasseur, on a le transporteur. On va voir les rapports. Hop. Donc, ça c'était ce qu'on avait lancé. Le Jupiter est un vaisseau spatial dédié au transport et au combat. Une copie rudimentaire, mais avec des systèmes efficaces de propulsion extraterrestre. Donc lui, par rapport à un Mercure, par exemple, qui emmène nos troupes, le Mercure, il peut mettre 14 espaces d'équipage. Je parle d'espaces d'équipage, 14 personnes, mais un blindé, ça prend 4 personnes, donc 10 plus le blindé. Lui, on voit qu'il a que 12. Bon, mais qu'il a surtout une nacelle d'armes, donc il est entre les deux, il est entre l'intercepteur et le transporteur de troupes. C'est pas un truc qui me fait kiffer. Et on va dire que par rapport à voilà, un démon, comme ils appellent ça dans cette traduction-là, la vitesse de pointe de celui-là est à 4200, celui-là est à 3100. Hop là. L'accélération est à 9. Lui, il a une accélération aussi à 9. Lui, il a une capacité de carburant 30, lui, 20. Alors, je sais pas combien ça lui prend de carburant par minute, on va dire, mais bon. Nacelle d'armes, lui, il en a deux. Blindage 500. Lui, il est plus blindé, voilà. Mais il attaque moins. Et comme je mise un peu tout sur la force de mes armes plutôt que sur ma défense, et ben voilà. Je sais même pas si je vous ai expliqué ce qui se passe dans l'écran d'interception. Faudrait que je le fasse, ça. Et capacité pâle, je sais pas ce que ça veut dire, en fait. Parce que j'en ai aucun qui a une capacité pâle. Voilà, lui, il a trois capacités pâles. Alors, ça veut certainement dire qu'il peut transporter des blindés. Trois blindés, je sais pas. Peut-être que lui, il a pas de. Je sais pas. Pâle, capacité pâle, je sais pas ce que ça veut dire. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça me sera vachement utile. Et transporteur, machin. Tiens, qu'est-ce qu'elle a, ma souris? Attendez. Tac, 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 tac. Non, ça va, ça va. Elle double-clique ou c'est moi? Au secours! Bon, on verra. Ah, on peut construire le bouclier gravitationnel et le vaisseau suprême. On va peut-être allouer nos recherches au vaisseau suprême. Là. Tout le monde sur le vaisseau suprême. Ok, on peut fabriquer un Jupiter qu'on va pas faire. On attend le démon. Alors, je voulais juste voir, je sais plus où j'en suis. Fabrication, j'en suis à 23 jours pour mon démon. J'ai des intercepteurs, des machins. En vente. En vente, j'ai pas de truc un peu foufou, hein. Ah si, j'ai affronté un nouvel ennemi qui s'appelle le Goliath. C'est le mec qu'on voit dans l'intro là, le mec au visage violet et à l'armure verte. Donc il y a un ovni qui s'est écrasé dans la campagne. Ils étaient 3-4, je les ai défoncés. Et j'ai même vu une sorte de nouvelle tactique qui est complètement basée sur l'attente. Alors je voulais pas la tester en épisode parce que ça prend du temps, mais en fait c'est pas si mal. Et j'ai acheté pas mal d'ingénieurs pour ici. Je sais pas où ils en sont d'ailleurs de leur arrivée. Est-ce qu'ils sont là? Fabrication. Donc voilà, pour l'instant il y a 47 ingénieurs attribués. Mais vous voyez que ma balance d'argent elle est un peu faible par rapport à l'autre sauvegarde. Bon, moi c'est pas grave. Je vais continuer à mettre vachement d'ateliers ici pour en faire la banque, quoi. Bah écoutez, c'est parti. Est-ce que dans mon équipement de vaisseau, tout est bon. Ah oui, on voulait voir les soldats lourds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanana. Ah ouais, donc il n'y a pas tout le monde. Qu'est-ce qu'on a? On a 3 scouts, il y en a un qui est mort. Et bon, on va te mettre toi, scout moins moins. Bienvenue. Ah non, mais ma souris, elle double-clique toute seule, hein. Faut que je fasse gaffe. Bon. Ouais. Ah ouais, c'est la fin des haricots si elle fait ça. Bon. Ok, je vais voir, je vais voir. Alors j'ai une vieille souris, je suis gaucher, mais gaucher, je veux dire, gaucher complet quoi.
Et c'est-à-dire que je suis le genre de mec qui garde sa souris avec les boutons pas inversés. Donc je clique normalement comme vous les droitiers, on va dire, hein, vous les nantis. Moi, mon clic normal, c'est l'annulaire. Hein, c'est le doigt du milieu. Et mon clic droit, c'est l'index de ma main gauche. Hein, je vous invite, prenez, vous êtes peut-être devant votre PC, prenez votre souris à main gauche et dites-vous que vous cliquez avec le doigt du milieu. Hein, voilà. Bah ça, je le fais depuis que j'ai 6 ans, un truc comme ça, depuis mon premier PC, quoi. Et du coup, quand je jouais sur le PC de mon père, PC de travail, machin, attention, et que je faisais du solitaire dessus. Je mettais ma souris à gauche parce que je suis gaucher, faut pas déconner, je suis toujours resté comme ça en fait. Donc voilà. Les lourds, alors les lourds, on va les refaire, mais il y a quand même 4 tireurs, nanana, et des grenadiers. Bon, ok. Grenadier, hein, on avait vu que je vais peut-être mettre un tireur à la place. Équipement, j'ai pas de. Ah, j'ai pas de tank, très bien. Alors j'ai aussi un tank qui s'est fait défoncer, je crois, même façon. Donc voilà, ça a pas changé. Il y a vraiment très peu de choses qui ont changé dans la RNG, comme on dit, Random Number Generator. Donc ça, au moins, c'est fidèle. Alors, allons voir les soldats que j'avais dit qu'ils étaient lourds et en fait, ils le sont pas. On va repartir de lui et puis on va les descendre. Donc toi, en fait, t'as Force 42. Ah oui, bon, ben toi, t'es quand même vachement bien. D'accord, super. Et ouais, j'avais confondu précision de mêlée et force. Habib 52. Ah, on peut monter facilement à 42. Alors, voyons ça. Ok, ma souris, elle double-clic toute seule. Ça va être super. Allô? Attends. Je vais souffler dedans. Attendez. Ok. En faisant bouger l'air, peut-être que j'ai fait bouger la poussière qui faisait le truc. Elle a pas super goût, cette souris. Alors. Ah, on dirait que ça va pas mieux. Mince. Bon, blasé. D'accord. Reprenons à Faith. Voilà, Faith, en fait, t'as 42. Ensuite, 52, 48, 22, 34. Donc, Faith, c'est quand même une lourde. Ça va. Mais faut considérer que c'est au-dessus de 40, en fait, hein, les lourds. D'accord. Donc, reprenons. Face, elle est bien lourde avec 142, mais peut-être parce qu'on a entraîné finalement en lui donnant des trucs lourds, je sais pas. Oh merde. Oh là là, ça va être chaud ça. Lui, en fait, c'est un lourd. Lui, c'est un lourd aussi. Ok. Et lui, c'est pas un lourd du tout. C'est un tireur. Lui aussi, lui aussi, lui aussi. Tous ceux d'après, celui que j'avais dit lourd ici, c'est un tireur. Ok. Et deux grenadiers. Oh là. Ok. Ah ouais, puis ce grenadier, en fait, il est super, super léger. Ah, il est pas fort du tout. C'est pour ça, c'est peut-être ce grenadier qui me posait problème. Ok, pas de problème. Et lourd plus, bah en fait, c'est un tireur plus. Parce qu'il n'arrive pas à 40. Ok, pas de problème. Allez, on fait comme ça. On verra ce qu'on les équipe. Équiper vaisseau, on va leur mettre des armures. À ceux qui n'en ont pas, voilà, lui, j'imaginais bien. Armure énergétique. Ok. Attends, on n'est pas compté. 1, 2, 3. Ok. Allez, c'est parti. On a tout fait, j'espère. On va remettre un peu le monde, voilà. Bingo. Ah, un site d'atterrissage. Donc il a atterri, c'est un grand bonhomme. Centré sur OVNI. Il a atterri, bon, on va aller là. Intercepté avec le Mercure. Ok, c'est dommage, j'ai pas de tank dedans. Ah, il va faire nuit, je suis deg. Ah, il se barre! Il a disparu. Disparu. Retour à la base et on va essayer d'intercepter. Attendez, 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 attendez. On va essayer d'intercepter dans le. C'est quoi? C'est le Pacifique, ouais. Hop, par là. Il est parti par là, mais il est peut-être en train de traîner là. On va voir. Pourquoi est-ce qu'il est parti aussi vite? Rediriger vaisseau. Sélectionner une nouvelle cible, on va faire un triangle. Ah, le blindé sans roquette. Lance-roquette. Allez à la base, équiper vaisseau.
Tac, Mercure, allô? Ah non, il est absent donc je peux pas cliquer dessus, c'est pas ma souris. C'est pas ma souris, ok. Oh non, pas la mort d'une souris, putain. Et donc, je reviens au fait que je sois gaucher. C'est pas du tout, je fais pas du tout du meublage d'épisode, hein, pas du tout. Ah oui. Eh bien en fait, je peux pas moi jouer avec les souris qui ont des boutons sur le côté de droitier là. Et comme j'aime pas les souris sans fil, pas laser, ben je me retrouve gros gens comme devant. Et j'ai très peu de souris dispo en fait. Pour ma main de gaucher. Pur et dur. Du coup, je suis là bloqué avec cette petite souris Logitech que j'ai low profile. Parce que pour les connaisseurs, j'ai un grip fingertip. Oui. Enfin, c'est-à-dire que je tiens la souris sans bouger trop le poignet et juste avec le bout des doigts en fait. Je bouge jamais le bras quand je bouge ma souris par exemple. Ce genre de, vous voyez, ce genre de truc. Ouais, bon, il est plus là. Allez, rediriger vaisseau vers la base. Ah, fin du mois. Et bref, l'un dans l'autre, il me faut une petite souris ambidextre qui marche bien. Si vous avez des conseils, allez-y parce que je me tire les cheveux avec ça. Alors, mois de mai 1999, évolution excellent, parfait. Comme la dernière fois d'ailleurs, super. Donc on a gardé ça. Super. Le Conseil des Nations est content, les États-Unis, la Russie, tout le monde, et même l'Égypte sont particulièrement satisfaits. Et on vous donne de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ah, j'ai pas mal d'argent, c'est cool. Les agents XCOM ont localisé une base extraterrestre en Asie du Sud-Est! Je connaissais pas cet écran. Ok. Eh ben allons-y, allons-y. Ah mais attends, 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 t'as repéré une base. Donc on va faire une base extraterrestre et les ingénieurs sont arrivés en Asie. Allez à la base. Ben c'est nickel ça. Ah ouais, par contre les fonds, je m'assois dessus. J'ai tellement de bases et de trucs que je fais pas assez d'argent en fait. Donc il va falloir rentrer des sous. Pour rentrer des sous, il va falloir fabriquer. Donc tac, tac. Les 90 mecs sont là. Ouais, j'ai 90 mecs. Espace disponible atelier, c'est 7. Donc peut-être que je peux mettre 7 personnes. Bon, 90, c'est déjà pas mal. Je me fais 2 millions par mois avec cette affaire. Mais c'est pas fini, hein. Il va y avoir 150 gars en train de bosser jour et nuit là-dedans. Ouais. Et je peux faire des nouvelles installations, non, j'avais vu. Non, je peux les rechercher, mais je peux pas encore les faire. Ok, allez, c'est parti. Donc, base. On va pas mettre de tank pour attaquer un truc où on en sera qu'en intérieur. On va mettre. On va mettre les tireurs dedans. Ok. Alors, le lance-roquettes, je l'ai pas mis dedans. L'équipage. On va mettre tout le monde, hein, que tu que je te dise. Blessé. Oh mon pauvre. 1, 2, 2, 3, 4. En fait, c'est. Si je reste appuyé. Ouais, c'est bizarre. Allez, on met tout le monde. Ah, c'est la grande fête. Il y a que Habib qui vient pas. Il y a Jules. Hein. Jules est là. Jules, toujours deuxième classe, le tireur de Nerf. Bravo. Merci sandwich. Je vais vous équiper d'armure histoire que vous y restiez pas tout de suite. Il n'y en a plus beaucoup alors, hein. Il va falloir être gentil. Hein. Et même toi là qui as une armure personnelle, claque. Voilà. Et puis on va en fabriquer quelques-unes chez nous. Non, on attend de faire de finir le démon avant. Ok, allez. Toi, intercepté. Base IT, d'accord. Allons à la base IT. Je bois un petit coup. 1er juin. Bon, on va plus vite. Voilà. Ah! OVNI 23, détecté basse. On va l'intercepter. Enfin, on va le centrer parce qu'à chaque fois, je sais pas s'il est proche de telle base ou telle base. Ah, bah, il est pas loin de là. Ok. Ouais, donc ils ont une base et ils commencent à envoyer des trucs, les salauds. Donc allez-y, interceptez-moi ça tout de suite. Ah, et ils se dirigent par là, est-ce que je. Non, c'est bon, ça va aller. Ah bah je vais pouvoir vous expliquer. Donc là, avec ce bouton-là, je peux regarder, c'est en effet un tout petit OVNI. Avec ce bouton-là, c'est une attaque juste en attente, je le regarde de loin. Là, je fais une attaque prudente, là, je fais une attaque standard, là, je fais. Hop là, reviens! Reviens, je t'aime! Intercepteur 2. Sélectionner une nouvelle cible. Ok. Donc on va le poursuivre. Non mais vas-y. Attends, 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 attends. Ah, il s'est atterri. Il a atterri, saloperie. Bon, bah on revient. Ah, ouais, mais attends. Il faut que je fasse un aller-retour, forcément. Donc on va laisser celui-là au-dessus. Et quand il va redécoller, il va le défoncer. Ok.
Tu vois, les intercepteurs, ils sont plus assez rapides pour faire le boulot, quoi. Les mecs, ils ont vraiment... Ouais, ils se sont adaptés. Prêt à atterrir près de base, ben je suis pas sûr, mais on va voir. Alors, les agents XCOM ont forcé l'accès d'une base extraterrestre. Le centre de contrôle doit être détruit pour rendre la base inopérante. La mission sera terminée quand tous les ennemis auront été éliminés, ou quand votre escouade sera revenue à la zone verte d'extraction. Cliquez sur l'icône abandonner mission pour sortir. Alors, les scouts. Ouais. Ouais. Ben toi, non, hein, t'es un scout. Donc, t'es un scout, tu prends de quoi faire du scout. Ah ouais, ça va être chiant, ça. Ok, bon. Je verrai, je ferai des tests de souris. C'est mieux à faire avec des FPS, parce que comme ça, tu tires deux balles, tu vois. Et tu vois si t'es... Alors, Faith, elle reste lourde. Lui, il est plus si lourd que ça. Ah, si, lui, il devient lourd, par contre. Ok. Non, je vais lui mettre qu'un seul chargeur, ça suffit. Face, t'en as combien? T'en as qu'un, c'est parfait. Oh là! Ah, au secours, quoi. Ok. Continue. Un tireur qui est du lourd. On va lui enlever tout ça. On va leur mettre... Je sais pas, une seule... Au cas où, on leur met... Allez, deux. Oh, ils en ont une ceinture, ça va. Peut-être que... Ils ont pas besoin de tant de trucs sur eux. Voilà. Tu vois... Les scouts, oui, mais pas les tireurs, quoi. Et lui, c'était pas un scout à la base? Oh, je sais plus. Bref, on verra. Non, j'ai pas mis de scout en lourd. Tireur... Alors, attendez, parce que les doubles clics, ça me rend fou. Oh, merde! Je vais essayer d'aller tout doucement. Mateuse. Lourd, c'est bon. Ah, t'as pas d'armure énergétique, c'est dommage. Bon, on s'en fout, tu tires de loin. Un tireur normal. Tac. Tac, tireur plus, tireur plus, tireur plus. Ouais, voilà. Tireur moins, normal. Tireur plus, tu prends une rifle aussi. Clac, clac, clac. Comme ça, ils seront même équipés pour des missions plus tard. Et donc j'ai un grenadier qui est pas très fort en termes de portée de grenades, alors on va lui enlever des trucs. Ouais, 3 grenades en 5. 5 c'est bien. 5 c'est bien. Ok. Donc, scout, scout, scout. Scout, lourd, lourd. Tireur, tireur, tireur. Ok, tout est bon. Bon, on va partir avec ça. On va mettre quelques bâtons pour ceux qui peuvent en avoir, puis voilà. Ok, allez. Je n'ai pas du tout peur. Comment ça marche? Ok, il y a deux étages. Un en bas, un en haut. Et bon, on va prendre lui. On va prendre un scout. Est-ce qu'il y a des scouts? Il n'y a même plus de scouts. On ne sait plus qui est qui. Ah, là, il y en a un. Et donc là, est-ce qu'il peut monter? Non, mais il peut descendre. Voilà. Et il arrive dans le noir. Il voit un truc qui doit être un décor. Encore du décor. Ben mets-toi là, planque-toi un peu. Donc voilà, les bases aliens, j'en ai fait qu'une dans ma vie. C'est des complexes immenses en fait. C'est très très grand, alors si je vois la carte... Voilà, vous voyez, c'est tellement grand. Voilà, parce que comme je disais, c'est tellement grand qu'on voit rien. Bon, c'est bizarre qu'on voit même pas notre zone d'atterrissage. Ah ben elle est là. Ah ben vous voyez, c'était tellement grand que c'était loin. Bref, on n'est pas sorti des ronces avec ça. Recentrer sur l'unité. On va essayer de passer nos scouts en revue, déjà. Qui est scout, ici? Voilà. Ici, plutôt, voilà. Et de pas se faire défoncer minute 1, hein, vous voyez. Tac, tac, tac. Donc, toi, planque-toi, aussi. J'ai envie de les faire se baisser. Encore un scout. Là. Sauf que lui, il va regarder par là. Il va se baisser aussi. Alors ici, je pense qu'il faut toujours se déplacer à deux, comme c'est des couloirs et qu'ils peuvent arriver des deux côtés. Je préfère que les angles soient couverts. Encore un scout. Et donc tous les scouts sont au même endroit à peu près? Ah mince. Est-ce que tu peux aller jusque là toi? Oui, mais c'est dangereux. Donc tu vas regarder ce couloir. Tu vas te mettre ici. Tu vas regarder là.
toi, t'es un lourd, on va pas les faire descendre tout de suite. Par contre, on va les rapprocher. Alors, je sais ce que ça veut dire de rapprocher des mecs, hein, ça veut dire qu'on se fait exploser, je sais bien. Donc on va les mettre un peu autour pour pas qu'ils se fassent tous défoncer par la même grenade. Voilà. Bon, hein, c'est du vœu pieux tout ça, mais. Voilà. Ah ouais, puis j'ai tellement de bonhommes maintenant. Ok. Il faut vraiment que. Enfin, que j'éclaire, quoi. Ouais, ça bouge. Hein. Ah, ça bouge, mais c'est pas foufou. Ah, il en voit un. Oh, il est loin. On va voir. D'accord. Nadia, hein. Ah, ah ben voilà, Nadia, au bout de 6 balles, à un moment, ça marche. Donc on va se mettre ici avec lui. J'ai presque envie de le sortir comme ça, genre. Tac. Ah, je sais pas. Je sais pas. Lui, j'ai envie de le regarder par là. Voilà, ok. Lui, il voit rien. Mais il pourrait envoyer une. Non, 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 c'est pas une bonne idée. Lui, je le ferais bien aller par là, mais il y a un. Ah là là! Ça y est, je commence à flipper. Donc, on va plutôt le faire aller par là en scout, et on va lui mettre un tireur avec lui. Ah, il en voit un! Ne bougeons plus! Ok! Coup de bolman. Pour l'instant, ça va. Toi, continue par là. Ah ouais, tu viens de tuer un mec ici. Ou il y a un mec qui vient de mourir ici, d'accord. Ok, donc, ouais, on est espacé comme ça. Et là, il y a une grande salle. Ouais, bah on va essayer de. Moi, j'aimerais bien quand même commencer. Voilà, j'ai un bord de map ici. Je voudrais quand même ratisser, on va dire, de manière logique, quoi. Donc, on va aller jusque-là. Ensuite, on va commencer à descendre des mecs. Hop. Tu vas. T'es un lourd? Tu vas venir avec ton copain, toi. Mets-toi là. Toi, t'es un lourd aussi. Tu vas aller avec tes potes. Tu vas aller avec ton pote. Tu vas te mettre ici. Et tu vas regarder par là au cas où il y aurait des problèmes. Toi, t'es un tireur. Tu vas descendre. Putain, mais Mathias, t'as pas de point de. T'es pas fort. Tu vas te mettre là. Tu vas regarder par là juste pour surveiller. Toi, Jules. Alors, Jules. Jules, on va le mettre avec avec deux gars. Hein. On va pas. Voilà, on va les envoyer en. Ça va être un peu un gros groupe celui-là. Ça va pas être un binôme, ça va être un trinôme. Comme eux. Comme eux, comme eux. Il y a trop de couloirs dans ce jeu pour risquer quoi que ce soit. Toi, tu descends où? Eh ben voilà. On va te mettre où? Je vais te mettre ici. Et tu vas regarder par là. Toi, tu descends. Bah, je vais te mettre là et je vais te garder en réserve. S'il y a quelqu'un qui meurt, tu seras là. Et Gabriel. Gabriel. Ici. Voilà. Là, je devrais pas me prendre de tir. Bon. Trop violent, grenadier, grenadier, scout. Allez, c'est parti. Voilà, ça commence à détruire le mobilier. Bravo! Tu le vois pas? Mais t'es aveugle et sourd, comment ça se passe? Ouh! Alors? Ah! Ah ouais, il est dans une tour de con! Enfin, de garde, mais. Aïe 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 aïe, ça y est, ça commence. Oui, maintenant tu le vois, bah bravo. Ok, ok Nadia, vas-y. Bravo. Ok. Donc là, il doit y avoir une entrée de tour de garde. Bon. Maintenant qu'on a bien tiré sur tout le monde, on va essayer de. De quand même surveiller tout ça. Et lui, je vais essayer de le faire venir ici comme ça.
Ah, il va peut-être se faire défoncer là, hein, mais... Du coup, on va le mettre jusque là. Il n'y a personne. On va jusque là. Enfin, on regarde là. Et on va jusque là. Oh! Freeze! Bon, j'ai bien fait. Ça se passe bien. Et je fais pas de sauvegarde mid-game. Je la joue à l'ancienne. Hein. Donc ça, c'est le mur. Hein. Ouais, ça, c'est le mur. Donc je suis en train... Ah, je suis en train quand même de calibrer la zone comme il faut. Très bien. On verra après pour l'autre scout. On va un peu ratisser ici. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bloc ici? C'est juste un bloc? Ah, c'est un ascenseur. Si c'est un ascenseur et que j'ai un scout sous la main, j'ai pas de scout sous la main. Alors, ne nous précipitons pas non plus. Je vais faire venir ce tireur ici. Ici. Comme ça. En même en avançant, parce que depuis là-haut, je sais pas quel est, sur sous quel angle il peut tirer, jusqu'où il peut tirer en bas, s'il y a un mec ici en haut. Voilà. Ensuite, je vais replacer mes troupes, comme ça. Lui, comme ça. Hein? Ah bah non, j'ai mis ce clic. Ah bah c'est ma faute. C'est ma faute. Hop. Hop. Donc toi, t'as plus rien, 36. 36, mais tranquille. 20. 70, faith. Tu vas te mettre là. Et tu vas continuer à regarder par là au cas où il y a un truc qui se présente. Surtout que ça prendrait lui en... Et là, c'est un bord de map. Ah, là, c'est un bord de map. Mais il peut y avoir un mec qui arrive de par là. On va être prudent. Donc toi, t'es le lourd. Toi, t'es le tireur que j'ai mis ce clic. T'es either. Est-ce que tu peux venir jusque-là? Non, mais tu peux venir jusque-là. Pour aider lui un petit peu. Et t'as celui-là. Eh ben tiens. Ok, ça va. On va continuer ici. Vas-y, regarde là. Toi, ici. Toi, elle est où là? Bord de map, bord de map, bord de map. Donc là, voilà, la map est grande comme ça va. Franchement, hein, ça va. Toi, regarde un peu partout. Voilà, cette map, on la connaît maintenant. On va essayer d'aller là, hein, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'y aller? Non. Ouais, non, pas du tout. Donc plutôt que de faire ça, je vais aller avec lui là. Même jusque là, voilà. Et lui, je vais pas forcément le bouger, c'est un tireur, c'est pas un scout. Lui non plus, on va rester prudent. Lui, par contre, on voulait le faire monter. C'est parti. Bonjour! Ah, mais c'est des... Ouais, c'est des squelettes de machin. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent se planquer derrière? Vous croyez? Non. Hein. Il y a personne, je veux dire, dans cette pièce. Ici, là, là, il peut y avoir personne. Ouais, non. Si la case est... Si la case... est affiché, ça veut dire qu'il la voit, ça veut dire qu'il a vu personne dessus. Ok, donc on redescend. Et ben on va lui donner sa prochaine route. Lui, il a pas trop besoin de bouger non plus. Même s'il voit personne, du coup, il va bouger. Voilà. Il va venir rejoindre ceux-là. En se mettant comme ça, il peut lui. Voilà. Parfait. Ok, lui. Bon, lui, il va se mettre là. Ça devrait être bon. Même pas. Ici. Ok, allez. Un lourd. Et lui, il est 18. Non, le lourd, il reste là. On va pas faire les dingues. Ici, il n'y a plus rien à regarder. Peut-être par là. J'ai envie de faire quoi? J'ai envie de faire quoi? Ah, ils sont loin de tout. Je vais les faire venir par là. C'est quoi ces machins là? On verra. Tireur, tireur, tireur. Écoute, reste là. Non, là. Et regarde par là. Voilà, comme ça on est bien en termes de. En termes de. Alors je devrais même faire comme ça plutôt, voilà. Ah, un petit scout. Qui lui va venir ici. En haut, c'est. Ouais, c'est l'atterrissage. Je vais leur laisser ce tir direct. Scout, deuxième scout. Ben toi, tu vas aller plutôt par là. Commence à regarder cet endroit.
Bon, ça se passe vachement bien. Ça se passe beaucoup mieux que prévu. Je pensais vraiment qu'une base alien, ça allait être l'hécatombe. Bon, bah écoutez. Oh, un petit tireur que j'avais misclic. Reviens avec nous. Ouais, va avec tes copains par là. Pour le tir rapide, d'accord. Jules. Jules, tu vas venir ici. Allez, c'est bon. Montrez-vous! Je suis toujours curieux de voir tout de suite ce qu'il y a là. Ouais, pareil, ok. Ok, rien du tout. Et ben là. Je sais pas, avance quoi. Ah ouais, tu veux plus avancer? Viens quand même si tu pourras pas tirer d'ici, donc avance, voilà. J'ai pas envie de les bouger. J'ai envie que mes scouts fassent leur boulot, vous voyez. Donc on va commencer à faire bouger des scouts seulement. Les faire avancer un peu. Sur le bord de map. Donc on va les faire rejoindre jusque là. Ouais, derrière cette sphère. Je sais pas trop ce que c'est. On va faire avancer le soutien. Ensuite, tireur, là le scout, ouais, ok, ils sont tous derrière lui, tireur, tireur, donc non, un scout que je viens de déplacer, un scout, allez, on avance. Voilà, lourd, lourd, tireur, tireur que je vais mettre là. Tireur, lui il est un peu... Il est mal placé lui, mais c'est pas grave, allez. Alors je garde beaucoup d'unités de temps dans mes mecs pour qu'ils puissent... Ah regardez, tu vois, pour qu'ils puissent... Je pensais qu'il allait faire un tir de réaction sur ce genre d'ennemi, vous voyez, mais non. Super. C'est quoi, vas-y, maintenant que t'as encore des tirs. Ah bah tiens, j'ai bien fait. On va avancer le scout ici. Et on va faire des tirs automatiques sur ce tank. Enfin ce tank, ce gros bonhomme. N'hésite pas à te faire à te se sentir concerné par le fait que je te tire dessus. Vas-y, mets-les bien tous l'un à côté de l'autre, c'est bien, bravo. Bravo. Voilà. Est-ce que le scout, je peux le faire un peu avancer quand même? Voilà. Et toi, du coup? Non, non. Voilà. Ouais, ça va, je double-clique plus. C'est cool. Martin. Jules Martin, notre cher Jules Martin. C'est mieux que Jacques, mais pff, pas tellement. Non, 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 non. Un scout. Alors. Là, ce que j'aime pas, voilà. Qu'est-ce que j'aime pas dans cette position de ces deux mecs-là? C'est que ici, je connais pas. Et ici, je connais pas. Si je les fais avancer là, ils peuvent se faire prendre des deux côtés. Je vais plus les bouger. Je vais attendre que cette équipe-là, elle ait fini le boulot par là. Ou alors mieux encore, je vais les remobiliser par là. Parce que ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère encore le faire venir là et regarder. Voilà, là c'est plus cohérent quand même. Lui, ça doit être un scout. Voilà. On commence à avoir une sorte de logique qui apparaît. Ah, il a 41, Nadia, elle est quand même cool en termes de... Ah! Baisse-toi. Et on va faire avancer les copains. Derrière le mur. On va regarder par là. Toi, ici. Et toi, si tu peux, ici. Ok. Alors, eux, quand même, pour les prendre on va dire, par surprise, faut y aller. Ce tireur-là, on va le mettre là. Même là, en fait. Même ici. Voilà. Puis on est bon. Allez, next. Ok. Au cas où, d'accord. Hop. Toi, non. Toi, ici. Tu regardes par là. Toi,
toi ici, mais debout, et toi derrière le mur. Ensuite, ah, lui, il va faire beaucoup de choses. Il va regarder par là, il n'y a personne. Il regarde par là, maintenant je connais. Il avance jusque-là, et on arrive dans cette sorte de zone abîmée. Donc ces trois-là, on va juste les faire avancer. Lui, on va le faire avancer encore. Ouais, c'est. Ah, il y a une sorte de pièce. Ok. Allez. Ah, j'aime pas ça. Ah non, c'est bon, c'est bon. On connaît, donc ça va. Lui, il va faire le tour comme ça, plutôt. De l'autre côté. Et toi, tu vas te mettre là pour le couvrir. Ouais, non, mais là, c'est bien. On garde du tir de réaction. Toi, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Viens aider par là. Allez. Eh ben, non, Daniel! Salaud! Mais et les tirs de réaction, ça sert aux chiens? Comment ça se passe? Putain, les mecs, ils sont bien zen. Salaud! Bon, bah, on bouge plus. On va attendre qu'ils sortent. Merde. Toi, ici. Bonjour. Nadia, elle peut plus bouger? Mince. Bon, la porte va se refermer au prochain tour, mais c'est pas sain comme histoire. Là 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 là. J'ai pas compté ces tours, je me suis trop lâché. Ouais, d'accord. Bonjour. Alors, ne pas hésiter hein, à être létal, surtout. Ah, mais tu bases tout sur le dialogue, toi, c'est ça? C'est ça ton machin? Ah ouais, puis le temps que j'y arrive, quoi. Ah si, peut-être. Ah non, je le vois pas d'ici. Que dalle. Et je me précipite comme un singe hors de sa cage. Alors, là, allô? Là. Pff, non, faut pas que je fasse l'imbécile. Je suis en train de perdre mon sang-froid. Et toi, tu peux plus. Ah, tu peux peut-être faire un tir encore. 13. 15. Et pour tirer, il t'en faut combien? 13. Donc si tu te mets là et que tu te retournes, tu pourras tirer une fois. Je l'attends ou pas? Ouais. Ouh! Ok. Allez, next. Qui va nous tuer maintenant? Bonjour. Le mec, il fait coucou et il se rebarre parce qu'il savait pas que. Ok. On va pas faire les dingues. Encore une fois, j'ai envie de te dire, toi, avance là. Voilà, tu couvres. Toi, ici. Et tu regardes cette porte. Et toi, ici. Et tu la regardes aussi. Voilà. 15, 12, c'est cool. Il pourra tirer. Ensuite. Toi, tu rouvres la porte. Bonjour. Et tu vas pas faire la dingue. Ah bah parfait. Il y a peut-être un truc là-haut, alors je vais te faire avancer un petit peu. Avec un seul mec. Et les autres, ils vont sécuriser le couloir. Toi, tu vas venir avec tes copains par là. Bon, j'ai perdu qu'un homme dans une base, hein, c'est pas mal.
toi, continue par là. Toi, je sais pas ce que je t'avais fait faire, mais c'est pas mal. Voilà, comme ça, c'est bien. Un scout qui est là, quoi. Un scout qui est derrière, hein, évidemment, grand stratège. Ok. Vraiment, ces grenadiers, c'est des... C'est l'arrière-garde. Oh bah merde, un tireur plus-plus qui a pas fait de tir de réaction, ouais. Oh, je suis deg, merde. T'étais pas si plus-plus que ça, finalement. Ce sera marqué sur ta tombe. Ok. Ok. Encore cette grosse zone d'ombre. Et l'étage là, voilà. Ah! Oh là là! Oh là là! Je connais ce genre de trappe là. Là, ici. Non, non, mais attends, je fais n'importe quoi dans mes déplacements. Oh mince, il peut plus bouger. Vas-y, avance jusque là au moins. Et retourne-toi, on verra pour les tours suivants. Toi. Continue d'avancer. On va tous continuer d'avancer. Et toi, ben va aider par là. Ok, le lourd. Tu vas aider en gardant cette position-là. Tu te baisses, t'as pas de grosse armure, tu te calmes. Toi. Alors toi, faut que tu ailles par là. T'es un scout, c'est ton boulot, écoute, hein, désolé. Ok. Je pourrais être meilleur, je pourrais être meilleur. Non! Gabriel, mais merde! Ouais, j'ai eu un reaction shot, quoi. Attendez. Aïe, 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 aïe. Moi, je pense que je joue trop vite, hein. Encore une fois, je laisse pas passer les tours. Il faut que je laisse passer les tours. Bon, c'est la nouvelle leçon. Bonjour! C'est le livreur de Bastos. Alors. Ouais, des fois on essaye des trucs, mais ça marche pas toujours. Est-ce que je peux avoir. Non, je peux pas avoir des gens ici, du coup. Attends, hein, c'est bien ça, c'est le bord de map ici, ouais. Donc je fais monter comme ça. Et lui aussi. Lui. J'ai presque envie de le faire venir là, en fait. Ouais, pour aider son pote ici, là. Quoique les deux autres arrivent. Lui, il va plus bouger. Laisse-toi. Eux, on va les faire venir ici. Ah, mais Mathias, tu... Vraiment, tu tires pas beaucoup. Je me demande si je vais pas prendre les grenadiers avec leurs flingues. Et allez, on vient là. Ah, de l'hélium, sympa. Voilà, et puis je bouge plus. Lui, je le mets là. Il monte, il regarde. Il redescend. Ah bah, bord de map, du coup, tout ici c'est réglé. Ok, donc, ces deux-là. Je sais qu'il n'y a personne, donc là je peux prendre des risques. Mais quand, voilà, c'est ça en fait, c'est comme ça qu'il faut que je joue. Quand je sais qu'il n'y a personne, je peux avancer comme un, comme ça là, comme un dératé. Mais si c'est une nouvelle zone comme ici, je fais des pas de fourmi. Clac. Ah, tic-tac, paf. Oh bah, tu vois, qu'est-ce que je disais?
Là, il lui reste que 13. Ça lui fait un tir de réaction. Lui, on le fait avancer là. Ça lui fait que 18. Donc, on le fait avancer plutôt là. Et on le fait regarder là. Tu vois? Ouais, il faut que... C'est ça. Exploration en pas de fourmis. Et zone découverte à fond la caisse. Elle va pas bouger, elle va se baisser. Allez. Donc, t'as tout vu ou pas? T'as peut-être pas tout vu. Genre, tu te mets là, tu regardes encore, il n'y a personne, là on est sûr, et on revient. Voilà. On va le faire tout doucement celui-là. Toi, le scout, tu regardes et t'avances même. Toi, tu te mets là. Tu regardes par la fenêtre. Toi, on connaît pas cette zone. On va faire avancer un peu ce bonhomme. Même à la fenêtre, tiens. Y a pas de porte, ça c'est déjà une bonne nouvelle. On va le faire un peu avancer encore et se baisser. Au cas où il y aura des choses ici, tu vois. Lui, pareil. On va essayer de lui dire réserve du tir automatique. Voilà, mais pas plus. C'est bien ça. On a découvert ici, on peut avancer, on va dire jusque-là, et se baisser. Toi, t'as vu en haut, tu reviens. Toi, tu pourrais prendre cette fenêtre. Ouais. Next, allez. Mathias! Non! T'étais mon pire tireur, mais t'étais quand même quelqu'un. Fais chier! Comment donc? Ah, mais sérieusement, les gars, quoi. Oh. Alors lui, ça va être... Vraiment? Au moins le mettre à l'abri alors. Y a qui peut rejoindre? Qui peut rejoindre? Toi, comme ça. Et lui continue son... sa terrible découverte. Oh, je suis deg, hein. Ah, je suis vraiment deg, tellement deg. Ouais, évidemment, il n'y a rien là. Vous savez bien ça. C'est comme ici, il n'y aura rien. Mais voilà. Et Jules Martin, lui, il est encore debout, t'inquiète. Leur morale commence à prendre des coups, hein. Bon. Qu'est-ce que c'était que ça? Voilà, et tu l'attends. Toi, tu viens là. On voit rien. On va aller là. On voit rien, on est bien. Ok, d'accord. Ah, je le vois pas, je suis deg. Allez, viens aider, toi. Toi, ok. Toi aussi, par là. Là, y a plus rien à découvrir. Viens par là. Allez, go. Que... Hein? Mais comment il a fait ce tir-là, lui? Attends, là, je comprends pas. Il a snipé ce gars-là avec la fenêtre? Oh, je veux bien, mais c'est injuste, quoi. Ah, je comprends pas bien la physique des fois, hein, du jeu. Franchement, waouh! Je veux bien, mais donc on se met à l'abri, quoi.
un scout, elle est bien. Ah, il le voit, ouais. Il l'a snipé comme ça, à travers le truc, sans que c'est là, il gêne. Là? Oh non, mais. Pendant que forcément, moi, mon bonhomme, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il rate ses coups, quoi. Ben tiens, tu m'étonnes. Oh, je suis pas salé, hein. Merde. Pff, allez. Non, mais sérieusement. Non, mais. Il a. C'est quoi tes stats à toi? T'es un rookie, d'accord, mais. Santé, énergie, blessure critique, courage. Y a pas le. Réaction là? Tir de réaction? Ah, réaction 52? Bah 52, c'est pas grand-chose, j'ai l'impression. Bon, c'était peut-être le dernier bonhomme. Ouais, ok. Excellent! Excellent, j'ai perdu 5 mecs quand même, hein. Aïe 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 aïe. Bon, contrôle de base tué, c'est vrai que ça fait beaucoup. Extraterrestre tué 14. Extraterrestre récupéré des corps, ok. J'ai pas capturé de bonhomme. Par contre, j'ai beaucoup d'hélérium, de l'alliage extraterrestre aussi, des divertissements que je vais revendre. Ça fait 130 000 balles, un truc comme ça. Ok. Allez, ouais, ok. Aïe aïe aïe, j'ai perdu. Ah, j'ai perdu. 4 tireurs! Oh, c'est chaud! Dont un qui avait été beaucoup utilisé. Les autres étaient un peu rookies. Un sergent quand même, hein. J'ai perdu un sergent et un capitaine, merde quoi. Bon bah écoutez, hein, c'est la guerre. C'est quoi cette petite flûte? Magnifique. Allez, base. Acheter. Soldats, on va en acheter 6. 8, c'est bien. Et on va vendre. Ouais, voilà, je les ai déjà. Les divertissements. Les corps des bonhommes. Hop. Là là. Lanceur nucléaire, on va garder ça, j'aime bien son nom. Fusil plasma, je vais en vendre deux. Allez, je vais en vendre ça. Canon plasma lourd. Canon plasma lourd, c'est quoi ça? Ah oui, des canons plasma, bien sûr. Ah, ok. Blindé lance-roquette, évidemment. Allez, ça fait 1 million. Ah là 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 là. Ok, bah next alors. Hein. Qu'est-ce qu'on peut construire ici? On peut rien construire de bien bien. Ah si, pourquoi pas un petit labo pour aller plus vite. Allez. J'ai un peu de sous, je vais construire un labo. Il est où l'autre labo? C'est ça le labo? Je vais le mettre là alors. Et en termes de. De bonhomme, baraquement. Je vais reconstruire un baraquement. Hop. Hein? Il s'est passé quoi là? Ah, y a un truc qui a passé? Ah mince! Bon bah c'est pas grave. Allez à la base, allez. Ah j'aurais dû me souvenir que j'avais un ovni posé. Attendez, je vais charger. J'avais oublié que j'avais un ovni posé, je vais charger. Je vais charger. Il est quelle heure? Ouais, c'est celui-là que je vais charger. Ok, donc voilà. Lui, il revient à la base. Machin. Donc on va lui l'intercepter. Hop, site d'atterrissage. Intercepté avec lui. Et oui, on revendra tout le reste après, mais je veux quand même le descendre celui-là. Je l'avais oublié. Alors, 5 minutes. Voilà, tu rentres à la base, mais l'autre ira sans surveillance et il l'attaque agressivement. L'OVNI est touché, l'OVNI est détruit. Paf! Voilà, comme ça au moins ça c'est fait. Voilà, retour à la base. Base. Vendre. On avait dit ça. Et on avait dit ça. On avait dit, c'est tout. Ouais, aussi quelques. Voilà. Voilà, allez, comme ça. Et. Un petit labo. Et un petit baraquement. Voilà. Là, on est bien.
Et ah, tiens, un ovni détecté à gauche, donc avec l'intercepteur numéro 1. Vas-y. Agressif. C'est un petit agressif. L'ovni s'écrase. Ah, mais merde, je crois qu'il s'était écrasé en Sardaigne. Ouais, mais c'est la Sardaigne, ça. Mais non, en fait, il s'est écrasé dans la flotte, mince. Bon, ça va, je viens d'avoir une base. Attendez, je regarde où est la Sardaigne. Ça, RDA. Sardaigne, île de l'île Méditerranée, jusqu'ici on est bon. Maps, images. Ouais, c'est celle, c'est la Sardaigne. Un Trapetti, centré sur le machin. Ah, et ben pareil, intercepté avec l'intercepteur et non pas autre chose. Alors, c'est reparti, mon Kiki. Il va encore se flanter dans la flotte. Ben tiens, c'est quoi? Je vais le suivre. Je vais le suivre pour qu'il se plante. Je vais attendre qu'il soit au-dessus d'une terre, quoi. Vas-y, tourne à droite. Là, on est bien. Oh, le stratège. Normal, vas-y, défonce-le. OVNI détruit en plein air, d'accord, sympa. Bon, bah au moins, ils nous ont détrompus. C'était bien la Sardaigne, voilà, merci portable. Construction du hangar en Asie. Hangar en Asie. Ah oui, c'était ce truc-là, très bien. Ok, super. Très petit. Ah bah tiens. Intercepteur 2. On va le suivre, mais j'ai l'impression que... Oh là, oh là, et où tu vas toi? Reste là. Agressif. Il est comment? Ah, il est tout petit. Ah, j'aurais dû être un peu plus cool avec lui. Bon, mes canons plasma, ça défonce pas mal. Ah, il commence à être beaucoup les mecs là. Ça fait 3 mecs que je tire en plein ciel. On est 8. Alors ça fait augmenter mon score, c'est cool, mais pas mes ressources. Vaisseau suprême, voire rapport. Le Talion, vaisseau spatial de transport et de combat, réplication ultime de la technologie extraterrestre. Capacité de carburant 60. Oh putain, il suce. Accélération 10, vitesse de pointe 5400. Nacelle d'armes 2, équipage 26. Ah, c'est beau. Ah, c'est la belle bête, hein. Avant de commencer à déployer des talions, je vais garder mes mercures, allouer recherche, nouveau projet, et je vais faire 2 démons, au moins. Un démon par base, tu vois. Histoire d'avoir de quoi envoyer à travers le monde. Donc, qu'est-ce que je veux utiliser? Les trousses de soins, ça pourrait le faire, tu vois. Divertissement extraterrestre, on s'en fout complètement. Bouclier gravitationnel aussi, ça pourrait le faire. C'est un truc qui défend bien nos bases. Corps d'homme-serpent, corps de Goliath, machin. Armure anti-G, c'est sympa aussi ça. Tout ça, c'est la mission principale. Revoyons ce qu'on a. Alors, UFO, machin. Ultimate Craft, c'est pour le. Ça fait rien de plus que ça, d'accord. Ouais, il faudrait tout à droite, un sectoïde leader, sectoïde commandeur et hétérole. Tout ça, il faudrait. Mind probe, c'est mind probe qu'il faudrait que je fasse. Parce que ça va nous permettre de lire un peu le terrain. Alors, sonde d'esprit. Sonde d'esprit. Non, je suis pas petit lanceur. Sonde d'esprit. Où est-ce que je l'ai mis? Sonde d'esprit. Non! Oh là là! Le mec, il sait plus cliquer. Comment ces projets? Ok. Le talion est fabricable. Atelier en Asie. Aller à la base. Donc, on va faire venir au moins une quarantaine de mecs. Acheter, acheter, acheter. Ingénieur, on va les monter à 140, c'est bien. Ah, une cinquantaine même. Ah, j'ai plus de cash. On va en prendre 30. Alors, j'ai de quoi vendre hein, s'il faut. Hein. Je peux vraiment faire venir des sous très très vite. Mais bon. Un petit, il est où? Ben, toi.
Hop. Et même les deux en fait. Parce que s'il se barre à l'ouest, on va l'intercepter. Ouais, tu vois, c'est ça. Tadam. Allez, 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 allez. Allez, agressif. Tu ressembles à quoi? T'es un grand? Normal alors. Il s'écrase dans l'eau. Allez, salut. Écoute, je préfère l'écraser dans l'eau que de le perdre. Combien de temps? 1h05. Eh ben écoutez, construction de baraquement en Europe. Ouais, ok. Je peux commencer. Ouais, c'est très bien ça. J'ai envie de vendre des mecs et d'acheter des scientifiques. Ouais, non, pas tout de suite. Ingénieur, allez à la base. Fabrication de ces machins-là. 120, 3 millions. Alors, là, je vais le noter. Vous savez ce qu'on va faire? On va s'intéresser un peu à tout ça. Et on va voir ce qu'on pourrait, donc, avec des fusils laser. Fusils laser. Pour 120 mecs, on arrive à 3,7 millions. Si je faisais à la place des pistolets, je les vends, je mets tout le monde dedans à l'infini. 3,5 millions, c'est moins rentable. Ok. Si je fais à la place, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça me prend de l'alliage. Armure personnelle, ça me prend de l'alliage, des trucs qui coûtent pas cher. Canon plasma lourd, ça aussi, ça me prend des trucs. Voilà, alliage extraterrestre. Chargeur. Ah, il n'y a pas trop de choses en fait que je peux faire gratos. Il faudrait que je fasse la recherche sur le laser lourd pour voir. Mais le pistolet me rapporte moins de sous. Ok, très bien. Rayon plasma aussi. Ah, j'ai peu de choses que je peux faire pour rien en fait. D'accord. Source d'énergie d'OVNI, ça prend plein de trucs. Et je peux pas faire de l'hélérium. Ah, c'est rigolo ça, d'accord. Évidemment, en même temps. Et de l'alliage extraterrestre? Ah, l'alliage extraterrestre, par contre, c'est gratos. Enfin, gratos. On va voir. À l'infini, vendu. Attends. Oui, j'avais mis plein de mecs dessus. Ok. Nouvelle prod. Alliage extraterrestre. Commencer la prod. Vendre à fond, à fond. 3 millions. Donc, c'est bien les fusils laser qui sont les plus rentables. Ok, donc. Arrêtez prod. Arrêtez prod. Pour l'instant, c'est les fusils laser. Allez. Attends. Attends, je viens de me rendre compte d'un truc. Ah, sympa. Vas-y, intercepte avec le numéro 1. Et en fait, j'ai pas ravitaillé mon vaisseau. J'ai toujours plein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois, tu vois. Ah ouais, j'ai plus personne quoi. Sérieusement, ils sont. Ah, je les ai mis en Asie, les autres. Attendez. Transfert. Bah merde. Ah, j'ai pas racheté des bonhommes. Mince. Bon bah je vais les racheter tout de suite. C'est pas grave. J'en ai acheté 6. 8. 10. Au cas où ils commencent à attaquer ma base, les mecs. Donc équiper vaisseau avec tous ces gens-là. Plus le. Blindé. J'ai combien de roquettes pour mon blindé? Canon, machin, roquettes. 8. On a acheté 16. Allez, on est reparti. Armure, excusez-moi. Armure. Et voilà. Bah, prends-moi une personnelle, faut qu'on rachète des énergétiques. Enfin, qu'on refabrique des énergétiques. Attaque standard. Voilà, on est bien. On attend que le jour se lève. Le jour se lève sur ma banlieue. J'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. Allez. Voilà. Allons exterminer des aliens. Intercepté avec mon petit Mercure. Bon, c'est un mois qui se passe relativement bien malgré la mort de beaucoup de gars, hein. Mais ça, c'est la guerre. T'es un lourd, toi, t'es sûr? Allez.
En termes de munitions, on est léger. Hein. Mais bon, c'est normal. J'ai vu un mec sans bâton. Tac. 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 Porter des trucs, je sais que ça augmente leur force, mais... Allez, ça commence. Ah bah tiens, les gros bonhommes. Tatatali, il a tas de soins là. Tatatali. Eh oh, eh oh! Non! Non mais t'es sérieux? Ouais, 480 000 balles pétées par terre, là, plus les roquettes qu'il y a dedans. 500 000 balles. Oh, je suis deg. Faut vraiment qu'on voit ce que c'est que ces nouveaux tanks, nouvelle génération, parce que ça commence à bien faire, cette affaire. Et là, tu le vois plus? Bon, ok, d'accord, allez. Aïe, 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 je te jure. Ah, je suis blasé! Blasé, blasé! Le tank qui vient d'arriver flambant neuf, blume. Bon, il n'y avait personne dedans, hein. C'est un peu ça le principe du tank ici. Tiens, tu sais quoi, toi? T'es déjà là? Il n'y a plus de scouts? Oh, j'ai même plus de scouts. Eh ben, écoute. Armée grenade. Même pas, je peux même pas. Oh là là, oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Au moins on se couvre un petit peu, tu vois. Où est-ce qu'il est l'OVNI? Ah, je m'attendais pas à être dans une situation critique aussi vite. Comme j'ai pas rechargé mes soldats, on va dire. Rechargé. Réengagé de soldats. Eh ben, je me suis mis gros Jean encore une fois. Ah, il n'y a pas beaucoup de gens qui bougent. J'ai envie d'aller là. Et après, c'est le bord de map, ouais. Et de défoncer ces arbres. Je vais aller par là. Avec lui. Je vais trop vite. Ah ouais, non, j'ai pas laissé de temps où... Ah là 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 là. Ok. Ah, ça va. Voilà. J'avais dit qu'il fallait laisser passer le temps pour nous. Ce que je vais peut-être faire. Peut-être faire ce que je dis, un peu. J'ai envie de faire venir les grenadiers. C'est ce que je vais faire aussi. Ah! Il en voit deux. Ah ouais, d'accord, ils sont en train de se faire des choses dans les choux, je comprends. Moi aussi. J'ai vécu à la campagne, je comprends. Ouais, bien sûr. Tire dans les choux. Ah, joli. Tir rapide, ça te prend 21. Ah ouais, t'es pas fort. Pour ça. Oui, très très bien ça. Ben voilà, passable. Bon. Blindé détruit, et ben ouais, ben ouais. On va en racheter un. Promotion. Ah, il passe sergent et capitaine. Face. Ah, Face est enfin capitaine. Ben ça c'est cool. Et Jules. Jules, l'air de rien, il passe sergent. Ok, d'accord. Faisons comme ça. Base.
J'ai même pas de quoi racheter des trucs, je te jure. On va revendre leur corps à ces imbéciles. Hop. Et on va revendre des fusils, la plasma. Non, des canons lourds. Ouais, carrément. On va les vendre et on va acheter. Est-ce que j'achète. Est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter des blindés? Allez. Ce sera peut-être le dernier, il faut que je recherche les autres. Et dans la base, lui il en est à 9 jours. Ok, allez. Oh, mais il y en a partout. Paf. Normal. Prudente même. Voilà, comme ça il s'écrase. Je récupère des. En parlant de récupérer des trucs, où on est? Mes entrepôts sont bien, ok. Donc. Eh ben on y retourne, les gars. Je vais faire une. Je vais faire une sauvegarde de nuit. Juste pour voir si je peux faire passer la nuit. Encore? Ah, mais il y en a deux? Il y en a un qui se réarme. Ben bravo. Ils sont partout, les mecs. Il doit y avoir une base pas loin, c'est pas possible. Bon, lui, il va aller là. Ou là. Ah, oh, il y en a deux, quoi. Bon, bah, il va aller là, hein, écoutez. Encore? On va jouer de nuit, c'est pas grave. Attends, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'es un Mercure, oui. Sélectionne une nouvelle cible, on va aller ici. Commencer la mission. Vivement que le démon il soit prêt, parce que là. Attaquer au sol de l'OVNI, machin. Ok, allez. On est bon. On va commencer. Ah, il a pas de grenade. Lui. Donc, qu'est-ce que lui? Ouais, lui, il a une grenade. Alors, pif, paf, pouf, paf. Ok. Là, c'est un bord de map, je suis content. Ah, on voit le vaisseau déjà. Ok. Ouais. Ok. Ah, c'est un grand vaisseau. Allez, c'est parti pour le massacre. Écoute, va là-bas, toi. On verra ça, mais. Ouf! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh mon dieu. Bon, ça a pas l'air d'avoir des lasers. Ah ouais? Ben mets-toi, planque-toi. Reviens. Voilà. On va se mettre par là. Avec deux mecs. Ah, c'est. Faut faire gaffe, c'est le capitaine. Capitaine. Là. Oh, il voit un. Oh, il y en a plein partout. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces blobs? Esgris, d'accord. Regarde plutôt par là et baisse-toi. Non, mets-toi là déjà. Merci. Ok. Jules Martin, l'homme utile. Et toi là. Ok. Ouais, Jules qui tire avec des nerfs, hein, t'as raison. C'est un truc de dingue. Habib, je vais te mettre là.
Tu vas regarder par là. Non. Et les autres, on va aller juste les faire avancer dans le carlingue. Je vais leur faire sortir leur flingue. Hop. Ils vont me servir de scout. Eh ben. Il fait un bruit de pierre quand il se déplace. Quoi, t'as tiré des lasers, toi? Mais qu'est-ce que tu es? S'il te plaît. Daisuke. Ah bon. Baisse-toi et fais des tirs. Au revoir les lasers. D'accord. Mais qu'es-tu? Oui. Merci. Ok. T'es sûr que j'avais pas un mec ici? Faisons attention. Hop. Alors toi, tu vas descendre aussi, mais toi, je vais te faire avancer derrière ta roue. Clac, et toi aussi. Ensuite, ceux-là qui étaient là. Descendre derrière les roues, comme d'hab. Ouais. Et je vais envoyer les grenadiers un peu faire du boulot tranquillement par là. Et l'autre. Alors lui, je lui ai fait dépenser beaucoup de d'unités, mais c'est pas grave, écoutez. Allez. Super. Moi, quand je vois un petit tir de réaction, je suis quand même content. Vas-y, Face, montre-leur ce que c'est. Parfait, merci, voilà. Non mais Face, ça commence à devenir ma number one. Tranquillement. Voilà. Donc toi aussi, on va faire pareil. Par là, genre. Ah bah voilà. Allez, Habib. Habib, t'as jamais été très très... Hein? Non. Habib, finalement, je dis non. Daisuke, c'est aussi. Je vais t'appeler Daisake, ouais, hein, c'est ça. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il picole. Bon, Faye, est-ce que tu peux faire quelque chose pour ces pauvres garçons, s'il te plaît? Faye, merci. Attends, c'est quoi sa précision à Face? Précision au tir 73. Celle de Daisuke, elle est à 49. Ah oui, c'est un scout, ouais, en effet. Et toi, Habib? 73 aussi. Eh ben, tu sais quoi? Je ne te dis pas bravo. Cette bombe n'a toujours pas explosé. Est-ce que je l'ai seulement armée à un moment dans ma vie? Je ne sais plus. Non. Ah non, ça y est, je viens de la jouer. Ok, je pensais que j'avais déjà passé le... Autant pour moi. Toi, t'es un scout ou pas? T'es un tireur. Allez, on bouge pas. Bon, il y avait personne autour. Ok.
Et Habib. Là. Ah, je savais. Oh non, mais faites des reaction shoot, les mecs. S'il vous plaît. Ah, il le voit pas. Donc, toi, si tu pouvais lancer un truc qui fait qu'on voit un peu mieux et avancer un peu. Ah ouais, d'accord. Donc toi, avance un peu. Voilà, c'est bon. Eh ben. Allez, Face, refais-nous. Attends, toi, peut-être. Oui. On se tente un tir précis. Bravo. Either, hein? Bah écoute. Non, oula, j'ai fait tirer dessus. Wu Jin. Pas de ligne de tir. Voilà. Et on refait là. Allez. Parfait, ça c'est bien les gars. On en a eu un. On va pas être gourmand trop. On va avancer un petit peu, on va lancer un autre leurre par là. C'est pas un leurre, mais enfin, je sais pas pourquoi ils appellent ça un leurre. Ok, on va surveiller cette porte de manière serrée. D'accord. Baisse-toi et toi ici. Ici au moins, j'ai envie de te dire. Ouais, non, mais alors là. Voilà. Toi, ce serait bien que tu commences à avancer par là. Ensuite, on va commencer à aller vers la carlingue. On va essayer de faire la stratégie que j'avais fait la dernière fois en off, quand j'avais récupéré la sauvegarde. Alors, ce grenadier, il est en train de voir qu'il y a un verger. Donc, écoutez, qui dit verger dit bombe. On verra ça. Un autre grenadier. Bah, tu vas te servir de scout. Viens par là. Bon, les pieds. Voilà, donc tu viens par là toujours. On va le laisser venir. Lui, on va le mettre là. On va regarder par là. SBC. Jules, non, mais Faith. Non, Faith, elle est trop importante pour le moral de l'équipe. Par contre, lui, il peut avancer. Voilà! Qui ose? Saloperie. Coucou. Daisuke, on te reconnaît à ta façon de tirer, hein. Regarde, face, ça marche très bien. Pas toujours. Et ouais, voilà! Si un jour Face elle meurt, je vais être l'homme le plus dégoûté de la vie. Allez, on bouge plus. T'es où? Faith? On bouge pas, Faith. Ok, j'ai une blague, je la ferai tout à l'heure. C'est une blague nulle en plus, génial. Je me régale déjà. Alors, hop. Fais le tour, toi. Il commence.
Face, tu restes là. Toi, tu restes là. Toi, Jules. Jules, tu vas te mettre dans un coin comme ça. Ah, board map, même pas. Wow. Ok, bah écoute. Je peux lancer un leurre avec lui ou pas? Oui. Sympa. Either. Par là. Et toi, est-ce que t'as déjà dépensé? Non. Allez. On avance. Ah, Daisuke, toi, je suis désolé, mais tu vas faire partie de ces gens-là, quoi. Hein. Ceux qui ont donné leur vie pour la cause, tout ça, noblement. Beaucoup de noblesse. Ok. Ah, next, écoute. Hein. Woojin! Non! Avec quoi il a tiré, ce salaud? Vas-y, Daisuke, va chercher. Il le voit. Ouais, donc eux, c'est bien leur tireur lourd. Hein. C'est bien ce que je me disais, c'est les mecs balèzes. Ouais, mais tu sers vraiment à rien. Alors. Ah, vas-y, Jules, fais nourrir. Ça ne sert à rien. Oh, Jules a tué quelqu'un. Oh. Allez. Voilà. Bon, c'est à peu près ce que j'attendais. Hop, hop, hop. Et on se calme, hein? Ok, très bien, merci messieurs. La santé est à fond. La santé est à fond. Waouh! Coup de bol! Je me sers. Allez, on est reparti. On va rester là. On va mettre là lui pour qu'il continue à aider. Parce que en fait, il aurait pu, hein, si j'avais mieux placé mes troupes. Toi, tu vas aller là. Et je vais la laisser là. Jules, je vais te mettre là. Ah si, si, avancez. On va commencer à pénétrer le vaisseau, mais... On se fait pas toucher, allez. Ah, le jeu commence à devenir de plus en plus difficile quand même. Y'a rien qui arrive, dingue. On va les faire passer de l'autre côté, eux. Pourtant, il y a les bruits de porte qu'on entend, c'est des bruits de porte internes de Carling, quoi. Okay.
Ok, bien, bien, bien. Vas-y, Daisuke, montre-nous l'art ninja des casseurs de murs. Ah merde! J'avais vu la cible sur lui, et en fait elle était là. Bon, d'accord. Ah ça aussi, c'est bizarre, hein. La façon dont parfois c'est géré tout ça. Bon. Face, s'il te plaît. Est-ce que depuis l'autre bout de la map, tu peux arriver à tuer un mec? Oui, bien sûr, sans problème. Allez, baisse-toi, toi. Toi aussi. Alors, vous deux, Laurie et Heather. Ok. Il n'y a personne qui arrive sur la droite du vaisseau où j'ai placé mes hommes. Hein. C'est un truc de fou quand même. Ouf! Il y a un blob. Y a plus de blob. Ok. Non, 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 calme-toi. Waouh. Ok, donc reaction shot, ça marche. Et Habib, qui a été un peu touché? Où t'en es dans ta santé, toi? Il a pas de signe. Ah, il a une blessure critique, alors faut faire attention, je vais. Ok, on va le laisser là tranquillement. Je vais pas bouger. Ok, allez. D'accord, toi. Daisuke. Ouais, ok, ça c'est bon. Je pense qu'on est pas trop mal. Regarde, hein, qu'il n'y a pas la présence d'un dernier blob ou d'un truc comme ça. Ok, on va commencer à converger vers le vaisseau. Face, pardon, tu restes là. Jules, tu vas commencer à partir par là. Toi, tu vas aller là. Regardez là. Tu vas te baisser. Allez. Ah bah voilà. Voyez, c'est ça la stratégie que j'ai fait la dernière fois, c'est d'attendre dehors. En fait, vraiment. Hein. Vas-y, Daisuke, faut que tu t'entraînes. C'est vraiment une bonne stratégie que d'attendre que les mecs ils sortent de la carlingue. Surtout pour ces vaisseaux-là, ça a bien marché. Dans une mission que j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure. C'était quand? C'était hier. Voilà. Eh ben tiens, hop. Ok. On va quand même faire avancer Jules que j'ai oublié de faire bouger au dernier tour. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire bouger? Toi. Mais voilà, on va faire jouer le temps en notre faveur. Quand ça devient chaud, il faut faire jouer la montre. Hop. Ah ben toi, t'en es où de tes blessures? Je vais le surveiller un peu. 22, 22-2. 22-2. Ingénieur Goliath a paniqué. Ah. 22, ok. Ok, on va faire rentrer des mecs. Je sais que c'est dangereux, mais j'essaie de sauver le personnage. Habib, je crois. C'est quoi ces machins? Bref. Je sais pas, c'est comme des citernes, c'est un peu bizarre. On dirait des moteurs ou je sais pas quoi. Donc j'avais dit 22 pour. Ah, super! Il est pas mort. Yes! Excellent! Excellent! Objet extraterrestre, j'ai pas perdu de bonhomme.
J'ai de l'hélium par 200. Ah ouais, super. Bon, on continue, on lâche rien. Parce qu'on reste avec des copains. Mes bases, mes intercepteurs, lui, il est encore en ravitaillement. Le mec, il prend son temps. Ravitaillement, bien sûr. Vas-y, allez. Attends, c'est un quoi? Il s'écrase, ok. Et tu continues. Ah non, non, mais reste là. Sélectionner une nouvelle cible, ici. Intercepté, ravitaillement, absent, prêt. Ok, on arrive à les défoncer. T'es un quoi? T'es un très très grand. Oh là là, prudent. L'OVNI est touché. T'es sérieux? L'OVNI s'écrase. Donc là, j'ai un très grand. Là, j'ai un je sais pas quoi. Et là, j'ai un autre je sais pas quoi. Allô? Est-ce qu'il y a des soldats? Allô? Il y a deux blessés. On va se la jouer ultra prudent. Ça fait 1h40, on n'a pas fini le mois. On va se la jouer ultra prudent. Ultra prudent. Équiper vaisseau. En ravitaillement, il est toujours en ravitaillement, lui, en plus. Ok, il est prêt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le soleil, il va pas se lever. Il faut en faire un avant que le soleil se lève. Et lui, c'est le plus vieux. Donc, on va l'envoyer là. Dans la base. Équiper vaisseau. Je peux mettre personne. Ok. Il me faut encore plus de sous, en fait. On va vendre des trucs. Les corps des mecs, là. Clac. Les corps. Ça s'appelle des silacoïdes et des sélatides. D'accord. Des divertissements. Armure personnelle, évidemment. Sonde d'esprit. Je vais en vendre une parce que je suis pas dans les meilleures dispositions. Pistolet plasma, je les utilise pas trop ces trucs-là. Allez, ça dégage. Ingénieur, ok, on les laisse. J'ai que 33 ingénieurs. Ah ouais, parce que les autres sont au taf. Ok, je réfléchis. Ici. Ici. On va acheter des ingés. Parce que. On investit à fond dans les ingénieurs. On va faire ici. J'ai pas de soldats ici? C'est chaud. On a acheté au moins 6. Et là, on va en racheter 2. 4. Donc, intercepter avec ce qui nous reste, hein, parce qu'on en est là. On va aller jusque-là. Les rapprocher. Allez, on verra bien. Qu'est-ce qu'une grenade fufu, toi? Ok, on voit le vaisseau. Et c'est un vaisseau moyen. Ça, c'est pas mal. Donc. Ah, tu vois un bonhomme. Eh ben, on va pas prendre de chance.
Allez, encore la chance. Toi, avance un tout petit peu. Tu le vois pas? Pas de ligne de tir à cause de quoi? Comment je fais apparaître les trucs? Vue multiniveau, c'est ça. Ah mais je peux. Ouais bon, d'accord, c'est foutu. Par contre. Ah il le voit, ça y est. Ça c'est bien. Donc lui aussi, on va le faire avancer peut-être jusque-là. Puis ici. Et allez! Calmez-vous! Ah ouais, super. Encore la chance. Alors. Hop, hop, hop. J'ai envie de faire venir un mec par là, mais... On verra. Là, c'est un bord de map, ok. Il a vu quelqu'un. Qu'il le voit toujours, non. Ah bah voilà. Woojin, t'étais pas mort toi? Ah bon, je croyais. Jules Martin. Ah oui, d'accord. Tu le vois ou pas? Bien. Faith. Ouais, encore une fois, Faith, hein, je veux dire. Il bouge pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Bord de map, bord de map. Je vais prendre la map par là. Baisse-toi. Toi aussi. Et regarde par là. Ensuite, tire moins. Un moins ici. Laisse-toi, tu peux pas, super. Alors deux éclaireurs, on va dire, on va appeler ça des éclaireurs, c'est des grenadiers, mais on va leur mettre leur flingue. Voilà. Allez, on attend. On va les faire faire le tour du vaisseau. Leur faire faire le tour du vaisseau. Hop, hop, ok, next, vite. Tu vois, les autres, je les garde en pur soutien. Voilà, ok. Le deuxième, il est là. Je vais vraiment pas... Je la joue prudent, quoi. J'ai perdu trop d'hommes. Ah ouais, non. Eux, ils sont pas là pour éclairer. C'est pas des lumières. Alors...
Oui. Ah, bonjour. Oui, carrément. T'es... Ouf. Voilà. C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, bisous, hein. T'es pas mort? Attends. Même pas mort? Deux grenades? Ok, il va falloir changer d'armement. Eh bé. T'as tiré sur Face? Salaud. Salaud. Bon, ça va, c'est Face, elle a rien senti en fait. Très bien, donc il y a un bonhomme là-dedans. Tant mieux, hein. Vas-y. Amuse-toi. Joue aux Sims dans ton vaisseau. Moi, je suis occupé. Par contre, là, on a vu que ça servait plus à rien. Je vais renfort. Renfort de faith. Tac. Ouais, allez. Voilà! Ah mais Face, elle les enchaîne. Oh! Face est passé colonel! Colonel! Et deux capitaines! Oh là 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 là! Nadia et Habib sont capitaines? Nadia est une scout capitaine. Bon, on va peut-être voir ses stats pour voir la faire changer de classe alors. Parce qu'au bout d'un moment, si t'es scout et que tu deviens capitaine, c'est que quand même il y a quelque chose, quoi. Alors, retour à la base, ravitaillement. Les soldats n'arrivent jamais. Hein. Je les ai commandés quand même. Soldat 24. Soldat, rien du tout. Merde. Alors que bientôt 2 heures. Hop. Voilà. Base. Intercepté. Avec lui qui est prêt, on va intercepter. Pas le gros parce que j'en ai marre. Je veux des soldats, moi, avant de faire ça. On va intercepter le petit. D'ailleurs, dans ma base, je vais déjà revendre ce que je viens d'avoir. Source machin, d'accord. Des pistolets plasma. Des fusils, je vais en vendre 2. Les canons aussi. Voilà, c'est bien. Et en termes de place, ouais, je commence encore à être chargé, donc je vais transférer. Je vais transférer en Asie de l'Illyrium. Il est où? Tac, un truc comme j'en ai beaucoup. Voilà, ça par exemple. Je vais en mettre 4. Pas assez de place pour stocker là-bas. Ok. 30. Transfert. Ok. Ici. Construire un entrepôt. Que je vais mettre là. Ok, c'est parti. Ouais, bah allons-y. Premier scout. Tu mets une grenade fumigène, j'arrête d'être bête. Ok, c'est pas. Attends, il y a beaucoup de. Autour de moi, il y a beaucoup de cahutes. Beaucoup, beaucoup de cahutes, ça c'est dangereux. Et allez, on envoie 2. 1, 2. Le deuxième, je le vois pas, mais écoute. Pas de ligne de tir à cause de la roue. Rappelle-moi qui tu es capitaine Nadia, hein, bien sûr. Hein. Ah, finalement, scout c'est bien. Scout un jour, scout toujours, hein, j'ai envie de te dire. Faith.
Et je vais le mettre là. Elle va plus voir les trucs de loin, quoi, mais pas faire des grosses actions elle-même. Mais qui est-ce que tu vois? Ah, je l'avais pas vu! Oh, le camouflage! Mais tire pas dans les roues! Qu'est-ce que c'est? On dirait un chien devant une tondeuse à gazon! Je te jure, Faye, s'il te plaît, est-ce que tu peux disposer de cet alien récalcitrant? Pas du tout. Hop. Merci Faith. Oh là! Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah ouais, on est sur les toits, d'accord. Bon. Sur les toits, là. Paf! Bon, on va laisser passer le tour au bout d'un moment. Mais Charlie est partout, bordel! Alors. En même temps, elle dégage l'espace pour les autres, hein, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Hein. Bon, bah voilà, hein, bon. Toi, Face, est-ce que tu peux voir des gens? Oh là là, mais vraiment quoi. Voilà. Bon bah Nadia commence à faire des trucs. Oh, ça bouge des portes, hein. On va faire venir nos grenadiers. Ah, puis je les ai tous mis au même endroit comme un débutant. Allez, on avance. Je m'en occuperai après. Alors. Ah, l'OVNI est là. Et là, il y a un gros verger. Ouais, les grenades, c'est plus assez puissant. Faudrait des mecs lourds qui prennent des lance-roquettes. Ce serait pas mal du tout, ça. Surtout dans notre époque où les tanks qui valent plus grand chose. Parce que vraiment, débarquer en balançant une grenade fumigène, ça marche pas mal. Ça marche pas mal mieux que le reste. Ouais, bouge pas de là, toi. Toi, avance par là. J'aimerais bien la faire. Ouais, non, c'est pas possible. Alors, là. Ah, je l'avais déjà tout dépensé, je savais pas. Ah, j'avais oublié plutôt. T'es face, hein, faut faire attention. Je vais peut-être la laisser dans la fumée. Allez, on verra. Eh ben, face, en même temps, elle peut one-shot tout le monde, mais en même temps, elle est super précieuse, donc. Je vais la garder loin et baisser derrière les murs. Et puis bon, si des fois j'ai besoin d'elle, je la prendrai, mais. Bon,
je l'envoie vraiment attirer les tirs. Scout. Ah, je pourrais le mettre à la fenêtre, lui. Pourquoi pas? Tiens, balance toutes tes options là-dedans. Voilà, il n'y a personne, parfait. Ok, très bien. Par contre, cette porte est déjà ouverte, donc bonjour. Nadia que j'avais mis là-haut, là, elle est où? Elle est là. Voilà, regarde par là, et s'il y a un mec qui sort ici, tu le snipes. Autant que faire se peut, hein, évidemment. Ok, rien ici. Rien par là non plus. Très bien. Face, je vais la faire venir ici, regarder par là, et se baisser. Lui, par là. Ok. Ah merde. Ok. Tireur plus. Là. Parfait. Redescendre là? Ouais, non, pas trop. Tant pis. Toi, par là. Hein? Y a un mec là? Oh le fufu! Mais d'où il est sorti lui? Je n'ai pas de rage. Je ne suis pas en colère. Alors, on va avancer vers la carlingue parce que là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, on va avancer par là même. Hein? Donc toi, essaie de te frayer un chemin à travers le mur. Parfait. Toi, avance. Ok. Bon. Ah, voilà. Oh, ça a marché mon machin de mettre quelqu'un à la fenêtre. Zuber? Faith, où est-ce que tu es? Est-ce que tu peux t'occuper de ce monsieur, s'il te plaît? Ah, voilà, ça n'a pas de ligne de tir, c'est bien ce que je me disais. Et ben voilà, bien. En plus un bien, super. On a des objets, ok, récupérés, et encore des trucs, ok, très bien. Nadia passe colonel, face commandant. Commandant, c'est au-dessus de colonel, peut-être, hein. Ah, c'est bizarre. Ou elle redevient commandant, ça veut dire quoi? Elle est dégradée? Bon, c'est pas grave. Je comprends pas bien. Mais Nadia colonel, je peux plus la faire bouger, quoi. Je peux pas mettre un scout colonel. Attends, faut que j'aille la voir. Attends. J'attends qu'il rentre, il est rentré. Soldat. Bah alors? Liste des soldats. Ah, je suis en Asie, pardon. Nadia, Nadia, Nadia. Ah, Faith est blessée, zut. Nadia aussi, elle est colonel. Je vais la passer tireuse, hein. Ah, mais elle a que... C'est tireuse moins, mais tu vois, c'est une colonelle, mais elle a que 20 de courage. Normalement, elle aurait dû mourir. Au bout d'un moment. 80 en précision. Nice. Ouais, hein, Face. Face est ma number one. Est-ce que je peux avoir mes 24 soldats que j'attends depuis des heures livrés, s'il vous plaît? Allez, on continue, on continue. On perd pas le nord. Des flingues. Avec quoi ils tirent alors, ces gros bonhommes? Ouais, des fusils plasma. Et. Ah, il tire surtout avec des fusils plasma, on dirait. Hein. Ce qui est pas mal en termes de dégâts et de tout ça.
en base ici. Fabrication, est-ce que j'avais pas reçu des ingénieurs? Pas du tout. Et je les attends, on est d'accord. En fait, le temps passe tellement pas. Intercepter, ravitaillement. Ok, combien de temps ça prend? Prêt. Et là, c'est un gros site de crash et j'ai pas encore mes soldats. Évidemment. Donc là, ça va être. Avant, on était prudent, là, ça va être ultra prudent. Ça va être ridicule. Tu vois, je vais mettre les trucs près de la main vide. C'est beaucoup mieux. Et les grenadiers, je vais déjà les équiper. Près de la main vide. Allez, hop, je le fais vite. Bon, ce sera pour les missions suivantes, mais au moins c'est fait. Allez, ok, allez, go. Donc, et là j'ai oublié de mettre la grenade. Fumigène, bon, c'est pas grave, écoute. Armée grenade. Lancer. Plutôt près. Et sur le net, les mecs te disent vraiment, j'ai regardé un peu les grenades fumigènes, c'est pour ça que je l'utilise là. Ouais, les grenades fumigènes, on est vraiment invincible quand on est derrière une grenade fumigène, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est pas mal. Mais c'est pas non plus, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, je saurais pas dire si c'est aussi bien que ça, quoi, tu vois. J'aimerais bien, moi, presque étudier, si tu veux. Ah, tiens, c'est bloqué. Là, on voit que c'est bloqué par les petites haies, par exemple. C'est sympa. Ok, mais étudier l'effet des grenades. Pouvoir me dire, bon, ok, maintenant je comprends que si je mets une grenade, je vais avoir des mecs sauvés, quoi. Truc comme ça. Ah, c'est déjà Jules Martin qui sort, quoi. C'est qui ça? Ou Jean, bah ouais. Une grande map. C'est une grande map. Donc on va là. Oh là 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 là. Le stress. Either. Loury. Ah ouais, en plus j'ai tous mes mecs qui sont blessés là. Oh. Je sais pas si on va la réussir celle-là. Tout simplement, on va peut-être perdre tout le monde. Mais il faut. Il faut parce que. Parce qu'il faut, quoi, que tout je te dise. Ah, ils sont pleins. Ah, il envoie un. Allez, c'est parti. Ouf, j'en ai vu un. Ok. Cinq tirs, il l'a toujours pas tué, c'est vraiment Jules. Ok, 6 tirs. On va continuer d'avancer dans la fumée. Placer nos pions. Ouais, je vais essayer de voir si je peux pas jouer fumé pour voir. Pif, paf, pouf, paf. Ah, mes grenades. Et la lancer. On verra. On verra, mais je vais faire avancer ce personnage. Voilà, un peu planqué, mais quand même en... Quand même.
encore un grenadier. Par là. J'imagine pas la taille de leur vaisseau encore. Je saurais pas dire. On va aller à la fenêtre. Alors, Jules à la fenêtre, ça va être un peu rigolo, mais on va voir. Ok. Ah, j'ai vraiment que ces mecs-là. 1, 2, 3, 4, 5 et Jules, 6. 6 mecs pour partir à l'assaut de l'univers. C'est un peu le survivant, mon machin. Ok. Les aventuriers du survivant. Ah! Oh! Ouais, bah on va la tenter. Pas de ligne de tir? Tu le vois, mais tu le vois pas? T'as 29. Vraiment? Planque-toi derrière cet arbre-là. Voilà, pour déclencher les tirs. Laisse-toi et puis... Attends. Coup de bol, coup de bol. Alors, tête, 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 un soin, soin, soin. On va les faire avancer dans cette fumée là, on va essayer. Je tombe des trucs. C'est un peu ça que je suis en train de faire en fait. Ceux qui sont encore là après 2h12 de toute façon, hein. On est tous là pour tenter des trucs. C'est une nouvelle expérience. Je pense que je vais pas finir le mois, hein. Je vais pas vous garder 2h30. Mais on va finir cette mission quand même. On va finir cette invasion européenne. On a fait une base et l'invasion de l'Europe, ben dis donc. On aura quand même bossé. Hop. Toc toc. Ok. Le tireur, on va le mettre aussi dans les fumées. Ah oui, puis de quoi s'agenouiller, d'accord. On peut aussi garder de quoi s'agenouiller. Ok. Donc on peut lui dire ça, plus ça, et ça lui garde de quoi s'agenouiller, d'accord. Très bien. Très bien, sympa. C'est bizarre. Elle dépense tout. Bon, on va voir. Peut-être bugger. Voilà, c'est agenouillé et tiré, voilà. Reste là, toi. Oh, ce grand vaisseau! Ouh, oh là 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 là, d'accord. Ah, either. Either, either. Est-ce qu'on monte? Ouais, on est bien obligé. On va quand même regarder par là. On va essayer de surveiller une porte avec ces deux-là et puis de tirer sur les mecs qui sortent, mais bon. Ils sont tellement nombreux.
Ok. Ah, voilà, enfin. Enfin de l'imprudence de leur part, quoi. Pas de ligne de tir? Ah, parce que si c'était un extraterrestre, lui, il aurait eu des lignes de tir, c'est ça. Oh, mais vraiment, quoi. Ok, ça va. Par là, il faut aller voir. Là, on continue. Merci. Eh ben. J'ai pas perdu d'homme, hein. C'est quand même une bonne stratégie en termes de protection et de défense. Je pense que je commence à trouver mon style de jeu, doucement mais sûrement, attention. Ouf. Allô? Deux. Oh là 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 là. Alors là, on va pas faire les imbéciles. Voilà, tant pis, il a raté sa chance, on le recouvre. Voilà. Elle, ici. Baisser et on attend. Lui, il sort. Il avance même. Allez, go. Voilà. Elle regarde par là et je pense qu'elle va en sniper un ou deux. Ah non, elle peut pas. Et merde. Merde, merde, merde. Ah bon. Hein? Ah, ils sont rentrés! Oh les cons! Ok, super. Donc on va pouvoir faire des trucs un peu sympas du style embuscade. Je sais qu'il y a des mines de proximité, il faudrait que j'en place devant les portes. Ça, ce serait pas mal. Je pense qu'on pourrait arriver à faire des trucs sympas en faisant ça. Hop, alors les autres. Toi, tu sers à rien ici. Essaye de détruire les murs. Voilà, et de sortir. Super. Bravo. Ensuite, toi, finis d'explorer ça. Et arrive aider les copains. Allez, hop, on rejoint. Ok, on fait ça. Est-ce que vous pourriez faire des tirs de réaction, s'il vous plaît, Papa Tango Charlie. Tirs de réaction, demandez. Est-ce que je leur envoie deux grenades? Non. Oh non, ça sert à rien. Les grenadiers, c'était le mauvais plan depuis le début. Ok. Un contre un, il y en a un qui est tombé, je vais pas me plaindre. Eh ben, et calme-toi, hein. Bon, d'accord. Ouais, ça c'est pas mal par contre. Voilà, tu vois. Pas de ligne de tir et ta sœur. Lève-toi. Hop, hop, hop.
C'est là qu'on aurait besoin de Faith. Non, mais vraiment, vous êtes à 3 dessus depuis tout à l'heure. Je crois qu'elle a réussi à tirer sur son pote. Que veux-tu que je fasse avec des bracasses comme ça aussi? Moi, je peux pas réinventer des trucs. Bon, tu vois, je suis pas. Allez, qui va se faire buter? Ah, il rentre! Oh, le con! Ok, super. Bon, bah, encore des coups de bol. Bon, lui, il a dû se faire. Je sais pas s'il s'est fait toucher ou pas. J'hésite à le dire. On va se mettre. Parce qu'il sort de là. Tac-tac. On va se mettre à côté de lui, mais. Faut faire attention au tir groupir. Interrogation. Est-ce que le mec d'en face s'est fait avoir ou pas? Lui là. Non, ça va. À chaque fois, j'ai peur qu'ils se flinguent les uns les autres, quoi. Lui, on va l'avancer. Lui faire regarder la porte, SBC. Lui, on va le mettre à sa place. Comme ça, SBC. Ensuite. Voilà, depuis tout à l'heure, je ne fais que tuer des mecs qui sont assez fous pour sortir. C'est efficace. Elle doit avoir une grenade fumigène. On va protéger nos copains avec elle. Armée grenade. Lancer grenade derrière nos copains. Et avancer un petit peu. Ah, si le camouflage ça marche, je joue. Si vous y connaissez un peu en XCOM, dites-moi ce que vous pensez des grenades fumigènes, s'il vous plaît. Dans les coms. Faut que vous soyez encore là. Alors bon, c'est une autre histoire. Tiens, voilà. Oh, c'est pas si mal, hein. Oh, il s'est pris une bastos, lui. Ah, il est en train de mourir. Ah, il est en train de mourir. Dommage. Ouais, il est mourant. Allez, ça dégage. On va le faire avancer. Tu vois, en mode kamikaze un petit peu. A perdu connaissance, peut-être que ça va la sauver, hein. Eh ben, calmez-vous. Calmez-vous. Hop, hop. Et si j'arrive à finir cette mission avec 6 bonhommes, ce sera quand même pas mal du tout. Hein. Soldat Goliath a paniqué. Paf! Ouais, en plus il avait un gros lanceur. Je sais pas ce qu'il avait sur lui, mais c'était béton. Goliath a paniqué. Et il sort sans arme. Allez, ça dégage. Navigateur Goliath a perdu son sang-froid, il va tirer partout. Mais il a pas paniqué, donc il a encore son flingue à la main. Et ses grenades, attention. Soldat Goliath a paniqué. A succombé à une blessure mortelle. Merde. Ah, Heather, c'est dommage. Hein. Là, ils sont en train de tous sortir. Je suis en train de gagner. J'y crois pas. Hein. Regardez-moi ça, je suis en train de gagner. Ah non, Woojin, ça va. Ah, ça va, c'est un scout quand même, mais. Est-ce qu'on peut se débarrasser de ce dissident, s'il vous plaît?
Ouais, je vais même pas le capturer, tu sais quoi, je suis pas en capacité de faire le malin. J'avais 6 mecs, j'en ai tué 2. Et j'ai tué extraterrestre tué 11, donc j'en ai récupéré un vivant. Et 12 mecs. Bravo. Bravo. Et plein d'alliages. Plein d'alliages. Et des chirurgies extraterrestres, va savoir ce que c'est. Et de la nourriture aussi. Ok. Et j'ai 2 sergents qui sont tombés quand même. Mais qui étaient un tireur et un scout. Et ben écoute, ce sont des choses qui arrivent. Est-ce qu'on peut finir ce mois, s'il vous plaît? Après ça, moi je sauvegarde, hein. Je suis désolé, mais là. Là, j'ai envie de dire. Victoire. Non, j'ai envie de dire waouh. Voilà. J'ai envie de dire sauvegarde. En fait, je suis tellement square à ce niveau-là. Alors. Ok, donc dans ma base. Ici. Information sur la base. J'ai dépassé mon quota. Donc toutes mes bases sont à fond. Il faut que je vende des trucs. Les corps. Hop. Les sondes d'esprit, allez, j'en vends une. Les petits lanceurs, les machins. Les fusils plasma. Fusils plasma, je vais faire en sorte d'en avoir toujours 18. 16. 16, c'est bien. Ça aussi, voilà. 16 et 16. Ça ira avec ma fascination pour ce nombre. Grenade fufu. Je vais peut-être en racheter de ça. Grenade extraterrestre, j'en ai plein. Plein, 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 plein. Ah, c'est intéressant ça. Ok. Source machin. Nourriture extraterrestre. Bon, t'as compris que on va pas le garder. Chirurgie. Je le dégage aussi. Armure perso, ok. Il n'y a pas du divertissement qui traîne. Non. Vendre. Ah, on commence à voir un peu plus de couleurs là. J'aimerais bien que mes hommes arrivent. Alliage extraterrestre en Asie, ok. Roquette pâle, ok, en Europe. Roquette pâle en Europe toujours. Ah. Alors on a Quentin, machin, Roy, Jules, Emmanuel, Lucie, Anga, Thibaut, Perséphone et Wim van den Heuvel. D'accord. Alors, à quelle sauce on va les manger? C'est un moins, mais c'est un tireur. Et il est pas fort, donc c'est un tireur. Moins. Okwani, c'est un plus, c'est un scout plus. Parfait, un petit scout ça fait du bien. Roy, c'est un moins, c'est un scout moins lui. Super, un peu de char à canon. Jules, c'est un tireur moins. Emmanuel, ah dommage, c'est une scout moins. Chim. Eh ben, tu vas juste t'appeler Bombo. Emmanuel Bombo. Voilà. Lucy Leroy. Ah, c'est une scout. C'est dommage, c'est une scout normale. Je vais le mettre plus parce que j'en ai pas beaucoup. Anga. Encore un scout, mais plus cette fois-ci aussi. Super. Bon, j'avais besoin de ça. Hein. J'avais besoin de scout. Donc. Tireur moins. Ah, tireur nul. Hein. Il a moins de 60, c'est un scout. Je vais le mettre en plus. Ah, enfin. Un tireur moins. Perséphone. Perséphone. Prévalakis. Prévalaki. Ah, toujours pas? Alors pourquoi tu veux pas le faire en majuscule? Ah ouais, parce que ça rentre pas. Prévalak! C'est très bien ça. Hop. Tri. Hop. Wim van den Heuvel. Van den Heuvel. Un Hollandais ou un Flamand. Qui est un scout plus. Eh bien écoute. Oui. Équipé vaisseau. Alors, de quoi qu'on a besoin? Alors le colonel Nadia, bon, on va le mettre dedans, ouais, carrément. On va le laisser dans le vaisseau, le colonel. Hein. Colonel, 2, 3, 4. On va refaire tout ça. Le scout moins tout en haut. Le scout plus à côté. Le scout moins à côté.
Et un deuxième scout plus, ce serait sympa, celui-là. Hop. Il faut qu'on construise des armures aussi, mais on va voir. Les grenadiers, vraiment, faut que j'arrête avec ça. Je vais mettre un scout en plus et un tireur en plus à la place des grenadiers. Tant que j'ai pas recherché des bonnes grenades, ça sert à rien. Ils sont sergents, ouais, d'accord, mais bon. Ah, Perséphone, t'as un nom trop long, tu vas dégager, toi. Pas risquer ta vie. 1, 2, 3, 4, 5. Et des tireurs. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Là, on est pas mal. Ok. Toujours une équipe de 10. Est-ce que je leur mets un tank? Ah, je suis pas certain pour le tank. Le démon, il a 2 jours d'être fini. Et après, on construira des armures. Mais on va déjà les équiper en armure, en effet. Ce serait peut-être malin de leur mettre au moins du personnel. Ah là là, allez, pour les scouts. Ah, j'ai plus rien. Donc je vais les déséquiper. Allez hop. Tous ceux qui ne sont pas dans le vaisseau n'ont pas besoin de leur armure pour l'instant. Si on se fait attaquer la base, et eh ben tant pis. C'est dommage que les armures soient aussi fragile, j'ai envie de dire, dans le sens où on peut pas les récupérer quoi dans le après un combat. Ok. Information sur la base. Non, les entrepôts sont bien. Les entrepôts sont bien. Est-ce que j'achète un nouvel entrepôt? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'avoir besoin d'un nouvel entrepôt. Je sais pas. Il faudrait limite une base entrepôt. Ah, ce serait pas mal ça. Ce serait pas mal du tout. On verra. Ah, des soldats qui arrivent à Europe et des ingénieurs qui arrivent en Asie et des soldats qui arrivent en Asie. Donc allez à la base, les soldats asiatiques. Un scout moins, bon, s'il en faut, qui s'appelle Aslog Pietro. Toi, tu vas être un tireur plus. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup chez toi. Toi aussi, allez. Bon, ça va pas être non plus des flèches, mais. Bogomila Dragomirova. Dragomirov, écoute, hein, désolé. Je sais que tu es une femme, mais c'est comme ça. Yunwu Yan, tu vas être un scout moins. Brunhilde, tu vas être un scout moins moins, toi. Salut. T'as vraiment tellement pas de. Regardez-moi ça. Allez, juste un moins pour pas être discriminant. Toi, tu vas être un tireur plus. Parfait. T'es même pas lourd. C'est dommage, j'ai pas beaucoup de lourd en ce moment. Ok. Ok. Les ingés que j'ai arrivés, qui viennent d'arriver, on les met. Ah, on fait monter à 4 millions par mois. Ça, c'est bien. Mais atelier et espace d'atelier 7. J'ai envie d'en acheter 10 autres. Je vais en acheter 10 autres même. Alors, est-ce que je construis encore un atelier? Pas assez d'espace vital. Pff. Ouais, on va reconstruire des trucs. Hein. Construire installation. On va reconstruire un baraquement. On va reconstruire un autre atelier pour continuer les sous-sous. Hop. Et même, est-ce que je peux pas. Non, je suis en train de construire un entrepôt, d'accord. Ok, et dans celui-là, il y a des soldats qui sont arrivés aussi. Yerick, enfin Eric. Eric, tu es un scout moins. Un scout, quoi. On va te mettre moins. Birgit. Hé, hey, Birgit! Birgit, t'es une tireuse. T'es une tireuse normale, quoi. Une tireuse sympa. Jacob. T'es un scout plus. Ayla. Ah, Ayla, c'est pas mal. Tireur plus. Pas trop lourd, dommage. Il faudrait vraiment des lourds. Emmanuel Bombo, ok. Ok, allez. Finissons ce mois, s'il vous plaît. Oh, j'ai un blindé lance-roquettes. Bah allez, je vais le mettre. J'en ai commandé un finalement, ok. Allez, pas d'attaque, que de la gentillesse. Production de démons. Ah! On va louer. Nouvelle fabrication d'armure énergétique. Commencer prod, on va en construire 16.
Voilà, pas le temps de niaiser. Ok. Combien de temps ça prend ça? 21 jours, d'accord. Donc c'est à peu près. Ouais, tous les 2 jours, je pourrais voir. Oh, bonjour toi! Ah, mais il faut que je fabrique un truc aussi. Il faut que je fabrique de quoi l'équiper ce vaisseau en truc sympa. Alors pour l'instant, je vais équiper le vaisseau avec les avalanches, mais il faut que je lui mette du plasma. Donc je vais le faire tout de suite. Canon plasma de vaisseau, là. Arme de vaisseau, rayon plasma. Commencer l'approche, je vais en prendre 2. Qui seront bientôt finis dans un jour. Allez. Tac. Tac, il doit être fini. Oh, ils vont me le dire quand ce sera fini. Voilà. Ah, ingénieur en Asie. Fabrication, on les rajoute. Ça fait combien? Ouais, quelques sous en plus. Allez, je prends ça. Rayon plasma. Alloy fabrication. Des armures énergétiques. Ok, équiper vaisseau. Non, équiper vaisseau en Europe. Du démon. Les 2 rayons plasma. Et là, on n'est pas trop mal. Très petit, très basse, pas rapide. On va l'intercepter avec le démon pour aller voir ce que ça donne. Ah oui, même intercepter avec l'intercepteur numéro 2. Hop. Oui, voilà. S'il est petit, on va être agressif. Allez, détruit, ça dégage, j'ai pas le temps. Pas le temps de niaiser. Petit très haut, t'es où? Ah, yes, on va pouvoir enfin intercepter avec le démon. Tintin. Tu ressembles à quoi? Oh, allez, standard. Et il s'écrase, allez, on va aller chercher ça. Bon, écoute, on finit le mois. Hein. Ce sera un épisode exceptionnel de 3 heures. Super. Alors, si vous le finissez pas, je comprends. Tac. On va se dire que la prochaine fois que je joue, si le mois est pas fini au bout de 2 heures, j'arrêterai au bout de 2 heures. Là, on se fait une session comme si on était en stream, j'ai envie de te dire. Oui. On va pas bouder notre plaisir, ce sera la vidéo du week-end. Voilà. Hop. Puis vous pouvez sauter des bouts, quoi. Hein, ou mettre en accéléré eux-mêmes. Je pense que beaucoup de. Je sais pas combien de vous regardent mes vidéos en accéléré, ce que je comprendrais. Hein. Alors je sais qu'il y en a qui le font, c'est sûr. Mais combien, je ne sais pas. Hop, hop. Ils sont tous tellement nouveaux qu'ils n'ont pas de. Ils n'ont pas de fourniture. Un tireur, ok. Hop. Il y en a, ils sont tellement pas équipés quoi. Là, je commence à être à court de laser. Faut que je fasse attention à ça. Faut que j'en refabrique. Alors, je pourrais utiliser les plasmas aussi, mais. Ouais, je pourrais. Allez, va te faire buter, toi. Ah, je commence à pouvoir. D'accord. Je vois même pas encore leur vaisseau. C'est une grande map, ça, dis donc. Planquons-nous. On va sortir des jambes, mais on va les planquer. Tac. Ouais, et puis ce soir, j'ai envie de jouer, tu vois. Donc, bon. Voilà, ça fera une grosse vidéo. Mais parfois, il faut savoir jouer 3 heures. Ah ouais, je vais vraiment jouer 3 heures en plus, quoi. C'est vraiment ça.
On va essayer d'aller vite. Est-ce que vous avez prévu d'avoir des vaisseaux spatiaux dans votre jeu sur les aliens? Ah! Coucou! Ok. Pas de ligne de tir. Pas de ligne de tir encore? Mince. Ok, parfait. Des fois c'est bizarre. Allez, allez. Temps insuffisant, bah écoute. Bien. Non mais sérieusement, oh c'est un tout petit. Et mignon. Et mignon. Ok. Allez, on fait avancer tout le monde du coup. Vraiment précipitamment, j'ai envie de te dire, parce que là, il n'y a personne. Puis on va la faire à l'ancienne. Ou à la nouvelle même, plutôt, ce que j'ai envie de te dire. C'est que on va les attendre dehors. Ils vont attendre, on va attendre qu'ils s'étouffent un peu dans leur fumée. Et puis au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, ils vont sortir. On va dégourdir les jambes de tout le monde. J'aime bien les missions désertiques. C'est ça quelque chose d'agréable de voir ce qui se passe autour. Ok. Donc. On va commencer à avancer prudemment. Sachant que j'ai besoin que de 4 mecs. Ouais, carrément. Allez, go. Vu que là, il n'y a pas d'espace pour plus de 4 tireurs, alors bon. Et encore qu'ils vont se tirer dessus les uns les autres. Hop. Il est où mon tank? Oui. Ah d'accord. Oh merde, c'est Scout! Oh là là! Les bleus qui se tirent dessus! Non! Vraiment! J'en ai marre! Écoutez, on va faire ça simple. Bonjour. Quoi? Quoi? Le mec, il a pris un missile plein fer. Oui, bon, moi je comprends. Les missiles, c'est quelque chose qui, bon, qui picote. Sans problème. Ah, c'est vraiment leurs unités lourdes, lourdes, quoi. Allez, on avance. Ok.
Ah, bah voilà. Bon bah toi je... Voilà, hein, désolé. Merci d'avoir joué. Je vais m'amuser. Ah! Aïe 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 aïe, je te jure. Comme tu disais, c'est du nerf quoi. Et le mec qui rentre, genre non, non, mais moi ça me concerne pas tout ça. Allez, ressort, va. Mais c'est où tu te caches? Voilà, terminé. Fusil, laser et matraque électrique, j'en ai pas assez. Bon, on va en acheter. Une qui passe sergent. Base, acheter, matraque, clac, 4. Les fusils laser, je peux les acheter ou pas? Non, je peux que les fabriquer. C'est ce qu'on va faire quand on aura nos... fabrication. Ok. Bon, on est le 26, on va faire une sauvegarde et puis s'il y a un gros truc qui arrive, on arrêtera l'épisode quoi. On va mettre ça... Ouais, si, sauvegarde, c'est bien. Allez. Genre s'il y a une capitale, tu vois. Ah, ça c'est pas mal. J'ai un baraquement, j'ai assez de. Ouais, j'ai assez de baraquement, je vais acheter des scientifiques. 15 pour l'instant et on va augmenter tous les mois. Allez, ok. Donc si un, tu vois, un gros truc qui arrive, on arrête. Un entrepôt en Asie, ok. Sinon, fini le mois là. Savant, aller à la base, recherche à fond. Voilà. Re-sauvegarde. Bon, cet épisode s'appellera classiquement la base extraterrestre, tu vois, mais. Ou première base extraterrestre. On va être un peu agressif, hein. Je t'avoue que là. Il s'écrase, oh là là! Eh, hey, on se fait un speedrun ou pas? Allez. Hop. Il est où? Il est là. Allez hop, on y va. On va essayer vraiment de speedrunner cette affaire. Alors, c'est parti. Puis je commence à perdre ma voix doucement, c'est pour ça que je parle moins. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas vous parler. Tac, on continue. On va aller voir là ce qui se passe. Toc toc, il n'y a personne. Petit missile préventif. De toute façon, les missiles, ça sert plus à rien. Dire. Par contre, des tanks plasma, ça pourrait être sympa, peut-être. Hein. Des tanks puissants en plasma, pourquoi pas. Ah, tu vois, ils ont ouvert des portes. Toc toc. Voilà. Ok. Donc là-dedans, il doit y avoir des trucs.
Wow, calme-toi. Ça commence, voilà. Donc. Oh, il est dans le noir en même temps, c'est normal. Enfin, c'est plutôt normal. Et toi, t'es quoi? Toi, t'es bonne en tir ou pas? Voilà, c'est bien ce que je me disais. Bon, bah bravo. Voilà. Ensuite, pif. Paf, pouf, pif. Paf, pouf, pif. Voilà, et on attend. On continue à avancer. Avec lui aussi. Ok. On va faire descendre des tireurs. Ok, derrière les roues, pourquoi pas, c'est pas mal ça. Explore la grenade avec ça. Ok. Y a pas assez de déplacement ennemi, je trouve. C'est bizarre. Pourtant, on entend des portes, hein. On entend que des portes, j'ai envie de te dire même. Tu vois? On n'entend pas des portes en bois qui claquent, on entend des portes de vaisseau et ils sortent pas les mecs. Allez, sortez. Voilà, comme ça. Voilà. La Fédération anti-ballot de paille, super. Voilà, ça commence à bouger. Ah, Jules Martin. Voilà, c'est toi qui vas faire ça. J'ai l'impression qu'il porte pas d'armes, c'est bizarre. Allez, allez, c'est bon. Et voilà. Objet extraterrestre, corps. Ok, merci. Est-ce qu'on finisse moi? Oui. Oui, excellent. Excellent. Oh, plus 1 million. Oh, aïe, 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 mais même. Les conseils des nations et participants est très content. Et tout le monde est content. Eh ben voilà. Vous faites des gros bisous. Alors, option. Sauvegarde. Nouvelle sauvegarde. Début. EP06. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode ô combien longué jusqu'au bout. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout, le code dans les commentaires, ça sera. Ça sera. Ça sera. Ça sera. Ça sera pas chaussette. J'essaye de trouver une autre référence à des sagas MP3. Ça sera quoi? Bah, ce sera rien du tout. Écoutez, tant pis, je suis fatigué. Il est super tard là chez moi. Que dire, que dire, que dire? Ce sera. Trouvez-moi un mot rigolo. Voilà, ce sera un mot rigolo. Et voilà, si vous mettez un petit mot rigolo, on saura tous les deux que vous avez regardé cet épisode pendant 2h55. Et
Je vous en remercie. Merci beaucoup de continuer à me suivre sur toutes ces choses-là, à m'encourager, à commenter tout ça, tout ça, tout ça. Je ne suis que trop reconnaissant pour tout ça. Merci beaucoup. Et du coup, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut, salut.